Bonsoir, bonsoir Twitch, bonsoir, bienvenue, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur ce stream cuisine qui a lieu plus tard que d'habitude puisque je teste un nouvel horaire. Alors, je vais juste bidouiller un truc sur les sous-titres parce que je me rends compte que là c'est complètement fuck up. On va rester comme ça, voilà, c'est très bien, avec deux lignes de sous-titres sinon. Qu'est-ce que ça donne? Ça va? Est-ce que les sous-titres fonctionnent toujours? Hello? Ah, petit pépin technique. Ça marche plus. Allô? Ok, donc là on est bon. Oh, par contre, ça capte plus rien. Putain, j'ai changé un truc, j'ai tout niqué. Alors, ok, enregistré. Bonjour. Bonjour. Est-ce que... Ah, voilà. Ça revient. Super. C'est revenu. Tout va bien. J'ai juste bidouillé un réglage. Ça m'a tout niqué. Voilà, voilà. Bref. Bonsoir, bonsoir Twitch. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, du coup, sur ce stream. Stream cuisine. Ah, attendez, j'ai... Intervalle d'image clé trop élevé. Alors maintenant j'ai Twitch qui est en train de me dire que tout déconne. Pourtant le retour est bon. Twitch, je sais pas ce que tu reçois en termes de... En termes d'infos, mais... Chez moi ça va. Hein. Très bon retour sur l'ordi, très bon retour sur le... Sur le téléphone. Chelou. Non, bon écoute, on verra. Si les gens viennent, quand les gens viennent, ils nous diront, voilà. Speak English for me, I'm your only audience. So, good evening, but this is a French channel, so I will only speak in French, unfortunately. But you're welcome to chat and ask questions, and I can answer to them in English. Like if you're just here for me to make me speak English, I really hope you're happy. And if you just do that on Twitch channel, well, I hope you have a happy life though. And if you just come here for that and then leave and don't even watch the stream or even at some point follow the stream, I don't think that's really relevant. So have a good evening if that's the case. Du coup... évidemment, les sous-titres sont partis en roue libre. Les sous-titres sont partis en roue libre, mais c'est normal, pardon, c'était pour l'anglais. Donc là, normalement, tout va bien. On a la musique qui est revenue tout doucement. Et le son. Donc, ouais, bienvenue. Ça fait... ça va faire 15 jours, à peu près, que j'ai pas streamé. Parce que je crois que le dernier stream date d'il y a 2 semaines, du coup, vu qu'au final j'ai pris une semaine de repos que j'avais pas trop prévu, mais c'était une semaine de vacances, donc quand c'est les vacances on se repose évidemment. Quand c'est les vacances on se repose, et surtout qu'est-ce qu'on fait? Donc en vrai j'avais eu envie de faire un stream pendant les vacances, et je l'ai pas fait pour des raisons que j'ai citées, notamment sur le Discord, sur Twitter, voilà, je reviendrai pas dessus. Je reviendrai pas dessus en stream, il n'y a pas d'intérêt. Mais effectivement, j'ai pris une petite pause qui, pour le coup, m'a fait du bien. Même si j'ai l'impression de prendre des pauses tous les 3 mois. pour le coup, ça m'a fait du bien de juste avoir une semaine de vacances où on fait... Bah en fait, on profite des vacances, parce que la vie, c'est pas que le boulot, c'est pas que Twitch et tout. Donc même si les vacances sont arrivées un peu tôt, voilà, c'était pas prévu, hein. Changement de boulot, tout ça, vous connaissez. Il s'avère que, pour le coup, pardon, excusez-moi, je suis un peu perdu. Que ouais, pour le coup, bah en fait, ça m'a fait du bien de juste glander un peu et tout, surtout vu la situation en ce moment, parce que, hein, vous le savez, on le voit plus d'ailleurs là derrière, il n'y a plus mon lit, parce que malheureusement,
je suis en train de me faire traiter contre des punaises de lit. Je vais traiter l'appart. Et j'ai dû jeter mon lit. Donc je dors actuellement sur un magnifique matelas de camping Décathlon que j'ai dû racheter puisque les filles ont décidé de le détruire en jouant dessus. Hein, ce qui arrive, c'est des matelas gonflables, voilà. Donc je croise les doigts pour que le deuxième matelas, elle le pète pas. Parce que ça m'a coûté déjà des sous. Matelas très confortable, hein, s'il en est. Que je devrais en plus jeter en vrai à la fin du traitement pour éviter que éventuellement il y ait des œufs qui soient présents sur le matelas et que les punaises reviennent, et donc ça servira à rien une fois que j'aurai mon nouveau lit puisqu'il se refera infesté et je devrai le rejeter. Et un lit, ça coûte une blinde. Donc voilà. Surtout moi qui achète du coup des lits gigognes, des lits dépliables et tout, donc voilà, c'est un peu tendu à ce niveau-là, parce que bah, je passe des nuits à peu près ok, mais c'est quand même chiant, j'ai mon appart qui est recouvert de produits anti-punaises, et je ne peux absolument même pas passer le balai, parce que le risque étant que bah, si je fais ça, je dégage du produit, je l'enlève du sol, et donc si elle se trouve un petit coin où se reposer les punaises, et bah, elles vont juste se reposer là-bas, et pas crever. Parce que c'est littéralement le but. C'est pour ça que je dois dormir chez moi, ce qui me saoule un peu, mais je dors chez moi parce que le but c'est que je les attire pendant la nuit et donc qu'elles essayent de me rejoindre et avant même qu'elles me rejoignent, elles marchent du coup dans le produit et qu'elles décèdent. Donc je croise fortement les doigts pour que ce soit le dernier traitement que j'ai eu et tout. Là j'ai encore 15-20 jours à passer comme ça. Je peux dormir en dehors de chez moi, mais genre le temps d'un week-end. Il faut au moins que je fasse 3-4 nuits chez moi. Donc globalement, bah, en fait, je dors la semaine quoi, chez moi, sauf le week-end. Parce que j'ai aussi envie de maximiser mes chances, hein, de m'en débarrasser, vu que ça coûte cher, en fait, et que ça, surtout ça fait chier. Voilà, surtout avec le boulot, c'est chiant. Voilà, le nouveau boulot, le fait que je sois en période d'essai, le fait que je stresse un petit peu de est-ce que ma période d'essai va passer ou pas. Plein de choses, voilà, qui font que pas super envie, quoi, de... de stream pendant une semaine. Ça a été une semaine aussi pendant laquelle bah, les gens sur le Discord l'ont vu, mais voilà, globalement, bah, j'ai fêté mon anniversaire. Voilà, ça y est, je suis très vieux, puisque j'ai l'âge incroyable de 33 ans. J'ai 33 ans, donc c'était super cool. C'était super cool de quand même pouvoir le fêter. Voilà, là, je l'ai fêté tranquillement, je le fêterai en famille dans le mois, parce que je redescends dans le sud. Donc c'était cool, j'ai eu des cadeaux, j'ai des potes même qui étaient à l'étranger qui m'ont envoyé des cadeaux et ça fait excessivement plaisir d'avoir ce genre d'attention parce que moi je sais quand les potes sont à l'étranger les cadeaux sont souvent dématérialisés ou je passe par Amazon parce que ça coûte une blinde. Mais voilà, j'ai eu un super t-shirt, un très très bon jeu de société, donc là ma chatte est en train de dormir dessus donc je vais pas le montrer, mais voilà, un super jeu de société et tout et d'autres trucs. Et du coup, le reste, je le récupère ce mois-ci. Qui va être aussi, d'ailleurs, pareil à moi, qui va être rythmé par potentiellement des streams, potentiellement rien, parce que il s'avère qu'au mois de mars, j'ai plein de week-ends pris. Ce qui est aussi très cool, parce que ça me permet de sortir un peu la tête de l'eau avec cette situation de punaise. J'ai de la chance, j'aime beaucoup mon nouveau boulot, donc je passe pas des journées horribles au taf. C'est des journées qui peuvent être compliquées comme aujourd'hui, mais j'ai connu pire. Bien pire. Et du coup, bah ouais, là, ce mois-ci, je devais aller à Rouen pour faire la conférence Mansour sur la journée internationale du droit des femmes, notamment. Au final, bah. Oh là, attendez. Voilà. Au final, j'y vais pas parce que, bah, pareil, pour des raisons financières, plus je peux économiser, mieux c'est. Donc, voilà, un trajet en train, de la bouffe sur place et tout machin. Ça, voilà, ça fait des sous qu'on économise. Alors, attendez, je regarde juste un truc sur mon. Sur mon dashboard. C'est juste un truc sur Twitch là qui me paraît un peu chelouche. Ok. Bref, donc ouais, globalement voilà, je vais pas mal partir. Mais sinon en dehors de ce week-end là, donc là j'ai deux week-ends
tranquille. Le week-end dernier, j'étais à Paris. Le week-end prochain, je reste à Paris. Et salut Dame Guermis, j'espère que tu vas bien. J'étais en train de parler du coup de la petite pause, vacances et tout, qui a fait du bien, et du mois de mars qui s'avère chargé sur mes week-ends. Comment tu vas? Comment a été ton lundi? J'allais dire ta reprise après les vacances, mais non, c'est moi qui étais en vacances, c'est pas toi. Du fait que voilà, j'allais avoir un mois de mars où j'allais partir, du coup, voilà. Je pars, je crois, dans 2 semaines, je pars à Amsterdam pour un week-end. Je pars samedi matin, je reviens dimanche soir. Et je pars après dans 3 semaines, du coup, dans le sud, à Valence. Je vais bien, je sors de maladie. Ah oui, t'étais. Oula, mais c'est resté longtemps, parce que la dernière fois que t'es passé, c'était il y a 1 ou 2 semaines, c'était la même maladie. Voilà, tant mieux, tant mieux. Et pas de vacances pour moi. Ouais. Bah après, moi, c'est les vacances scolaires françaises. Hein. J'ai une partie des vacances scolaires françaises. Donc, je les ai pas choisies. Mais d'un côté, c'était cool. D'un côté, c'était cool quand même d'avoir une semaine où juste voilà, tu fais ta vie et tout. Parce que comme je disais, du coup, voilà, je suis à la deuxième phase de mon traitement, punaise de lit, et ça casse bien les couilles. De dormir sur un matelas. Il y a 2 semaines. Bah, en tout cas, je sais que j'ai pas streamé depuis. Bon, moins de 2 semaines, mais ça doit faire 10, 10 jours, 12 jours. Et tu m'avais dit que t'étais malade, il me semble. Ou alors je mélange, peut-être. Je mélange. Alors c'est possible aussi que je mélange avec Dushnor parce que vos profils ont la même couleur quasiment dans mon chat. Et c'est le D à chaque fois que je retiens. Et des fois je mélange. La dernière fois, Dushnor est venu et je l'ai confondu avec toi. Bah écoute, non, bah t'étais pas malade, c'est moi alors. Mais en tout cas, bah écoute, bienvenue. Bah c'est l'occasion justement. Tu vois, je pense à toi. J'ai raté ton dernier stream. Je sais même plus ce que c'était. Ah si, c'était un truc sur la langue des signes, hein, je crois. Où j'avais parlé d'une IA qui essayait de traduire du texte en langue des signes et tout, et c'était complètement n'importe quoi. Je sais plus. Bref, voilà. Je devais en faire un la semaine dernière, et au final, j'étais complètement explosé de fatigue, et voilà. Voilà. Bon, autant pour moi. Autant pour moi. Mais ouais, du coup, c'est bien que tu sois là, c'est marrant, j'y pense, parce que je me rappelle de ton petit tweet. Avant de commencer le stream. Petit retour quand même très rapide sur Furax. Furax, qui est un événement qui a eu lieu, donc pas le week-end, là, pas hier et avant-hier, mais du coup il y a 1 semaine, donc le week-end d'avant, qui était un événement en live sur Twitch, un événement caritatif pour récolter des fonds pour l'association Elles Imaginent, de manière à leur permettre de mieux lutter contre les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles. Donc alors, Elles Imaginent, j'ai plus le brief en tête. Mais en gros, il s'avère que voilà, sur cet event, en fait, par pur hasard, j'ai un pote qui bosse dessus, et 1 semaine avant, qui me contacte et qui me dit, franchement, en vrai, on a besoin de bénévoles. Si t'es chaud, bah viens avec plaisir, tu vois. Et moi, j'étais là, genre, bah en fait, go, parce que ce sera le début des vacances. Voilà, quand je t'ai vu en live. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas trop annoncé, je l'ai vraiment annoncé au dernier moment, genre le matin quand je suis allé. Mais du coup, voilà, effectivement, on m'a vu derrière plein de chaînes. JD, host politique, il y avait plein de gens, mais je vais raconter le détail avant de revenir sur pourquoi on me voyait derrière. Donc j'ai été appelé en tant que bénévole, donc j'ai été 3 fois du coup à Furax. J'y ai été le mercredi avant l'événement, c'était le mercredi 22, mercredi 22 pour du coup brancher les PC, parce que du coup Furax était sponsorisé entre autres par Omen, qui a prêté gracieusement des PC, des claviers, des souris, des écrans, enfin c'était un festival de la high-tech avec des PC à 3000 balles partout et qu'il fallait brancher en fait. Parce qu'il faut bien, pour que les streamers streament, idéalement, il faut bien que les PC soient branchés avant leur arrivée. Parce que c'est pas grand-chose, mais c'est chiant, c'est du cable management et tout. Il y a des switches aussi à poser hein, pour que tout le monde ait accès à un débit internet correct. Et donc, bah en fait, j'étais là pour ça. Donc moi, j'ai branché principalement, voilà, des écrans sur des ordis, branché des webcams, branché des micros et tout, fait des tests et tout. Et j'ai aussi, je me suis mis sur le stream de Mister JD sans penser à Furax. Ah non, mais je me doute, hein. C'est possible, hein, que tu te sois dit, il y a JD, il stream. Mais anecdote très drôle avec JD qui va venir. Et le mercredi soir, j'ai aussi, du coup, mis les sous-titres automatiques sur tous les PC, sauf certains, bah, notamment, il me semble, Host Politique, Nairou et Joule qui utilisent Streamlabs et donc. L'outil de sous-titres, qui est celui que j'utilise, n'était pas fonctionnel. Il était beaucoup trop tard pour proposer d'autres solutions et tout, donc j'ai pas fait chier non plus parce que bah ça aurait été bordélique en fait. Et au final,
on se serait juste retrouvé avec des streams qui pourraient promettre les sous-titres et qui ne les ont pas. Donc voilà. Et il n'y avait pas les sous-titres aussi sur la chaîne principale de Furax, puisque c'était que des tables rondes en présentiel, avec 2 à 4 personnes à chaque fois, donc on sait que les sous-titres ne marchent pas dans ce cas-là. Donc j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça et tout. Je reviens du coup le samedi. Donc le samedi, moi j'ai fait l'ouverture à... Donc je suis arrivé à 7h30, parce que Furax commençait à 9h. C'était 9h le samedi jusqu'à 18h le dimanche. Moi, je suis arrivé à 7h30 parce qu'il fallait des bénévoles en avance pour le catering. Donc, tu mets en place la bouffe et tout. Tu fais l'accueil des gens. Tu t'assures que c'est des streamers, c'est des bénévoles, c'est machin, c'est bidule et tout. Tu fais signer les droits à l'image pour celles et ceux qui ne l'ont pas signé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un bénévole très cool qui était présent là. Je lui dis, est-ce que je peux te montrer juste comment fonctionnent les sous-titres? Comme ça, s'il y a une merde et qu'on t'interpelle ou que tu la vois, tu peux la corriger. Et là, en fait, on se rend compte d'un truc et ça m'a permis d'apprendre des choses. En fait, il faut savoir que entre mercredi et samedi, d'autres bénévoles sont venus pour finaliser le setup, faire le cable management, tendre des toiles, histoire qu'on voit pas les murs un peu moches du lieu où on était. Très beau lieu, mais les murs étaient un peu moches dans la salle. Qu'on voit pas des câbles qui se baladent dans tous les sens et tout. Et donc, pour que tout le monde ait le même overlay et tout, les gens se font pas chier. Et du coup, utilise une collection de scènes prédéfinies. Donc c'est un truc d'OBS où on crée nos scènes dans OBS, on les enregistre au format .json, on récupère tous les éléments graphiques, et ensuite on importe le .json, et ça nous crée des scènes. Et en faisant ça, et ben en fait ça a complètement fuck up l'outil de sous-titres. Voilà. Il a fallu tout resetup. Et d'ailleurs, je viens de le voir, mais merci beaucoup pour le follow, Koto. Merci, ça fait plaisir. C'est une nouvelle emote, du coup, de follow. Voilà. Merci. En gros, on est repassé sur... Donc, c'est 12 PC au total. Enfin, 11, parce qu'il y en a un qu'on n'a pas fait. Voilà, 11 PC sur lesquels on repasse. Et en fait, du coup, c'était le matin. Donc, les streamers allaient arriver. Il était 8h, 8h30. Je commence à installer un truc. Donc, premier PC sur lequel j'étais, c'est celui de Host Politique, qui fait la matinale, qui bosse aussi sur Mediapart, hein, avec Usul, vous connaissez peut-être, ouvrez les guillemets, par exemple. Et Host, je lui explique un peu, et il me dit, ah, moi je suis sur Stream Elements, je fais ok, je me décale. Juste à côté de Host, du coup, il y avait Mister JD. Et vraiment, je m'installe, je m'installe dans la chaise gamer, le temps d'installer les sous-titres et de les remettre. Et là, il y a vraiment JD qui arrive, et je pense qu'il est très rodé à ce genre d'événement et tout, et qui juste me dit, bonjour, c'est mon PC, en fait. Tu vois, genre, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'il y a eu un changement et tout? Et moi qui dis à JD, t'inquiète, en fait je suis juste bénévole, je mets les sous-titres, et pour le coup il a été très cool, parce que je dis, je t'explique rapidement comment ça marche, après t'en fais ce que tu veux, mais voilà, au moins je t'explique, comme ça s'il y a une merde, si tu veux la corriger, si on te dit qu'il n'y a plus de sous-titres, machin. JD, super cool, et en fait j'ai fait tous les PC, un peu comme ça, et quasiment tout le monde a adoré l'initiative, enfin j'ai pas eu en tout cas de retour négatif, notamment, je pense à des gens avec qui j'ai pu sympathiser aussi, même un peu sur l'event, comme Sovan. Sovan qui est un mec incroyable, qu'on a aidé l'autre bénévole lui a aidé à remettre sa light. Moi j'ai été sur le stream de Sovan, dans les replays, du coup on me voit sur le stream de Sovan pour ouvrir un booster Pokémon. Et Sovan m'a offert d'ailleurs une carte Pokémon qu'il faut que j'affiche chez moi. Feldup, voilà. Feldup, pareil et tout, que d'ailleurs on me voit à un moment sur un de ses streams où j'en pouvais plus, il avait pas les sous-titres activés, et j'ai couru, voilà. Et en fait du coup, en fait, quand on était bénévole, globalement ce qui se passait c'est qu'on était dans une espèce de lounge où on était sur nos téléphones, on checkait vite fait les streams, on bouffait et tout, tant qu'on nous appelait pas, on nous appelait pas. Et on allait de temps en temps dans la salle du coup des streamers, donc il n'y avait pas de soucis à passer derrière et tout. Éventuellement si on le souhaitait et qu'on avait rien à faire, on nous encourageait, on nous disait franchement si les streamers veulent vous avoir sur vos streams, go. Justement d'ailleurs JD, j'avais hésité à participer à son Among Us, parce qu'il a fait un stream Among Us. Au final j'ai choisi de pas le faire et je suis plutôt content parce que j'étais complètement explosé quand ça a démarré. Et globalement, Furax, donc d'ailleurs voilà, merci pour ton tweet, c'est vrai que j'ai vu ton tweet. J'ai vu ton tweet après, Dame Germis, ça m'a fait rigoler. Parce que je pense qu'on m'a vu avec d'autres gens derrière plein de chaînes, de plein de streamers. J'avais un peu peur des fois de genre d'overstep et de... Tu vois, genre d'être là, mais en vrai, on allait me demander de dégager et tout. Et en fait, non, franchement, tout le monde était très très cool
tout le monde était très cool, et du moment que t'emmerdais pas les streamers et les streameuses, tout le monde s'en fout. Donc c'était vraiment très sympa. Il y avait aussi les breaks, du coup, bah, les streamers revenaient dans le lounge, on papotait, on mangeait, on se faisait des trucs, ils posaient des questions, blablabla. Donc c'était vraiment très cool. Il y a eu aussi Mama Paprika, qui est notamment dans le collectif Afro Gamers, avec qui on a bien échangé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait donc le samedi 7h30, 16h. À 16h, j'étais mort de chez mort. Sans compter les merdes de la journée qui me sont arrivées. Et donc, je rentre me reposer. Et je sais que ça se termine à 18h, et je suis en mode, en vrai, est-ce que je peux revenir le dimanche? Enfin, à 18h le dimanche, est-ce que je peux revenir dimanche? Parce qu'en vrai, c'est cool. Franchement, Dame Germis, si un jour t'as un truc comme ça qui se passe près de chez toi, moi je recommande parce que c'est très cool, très convivial et tout. Et du coup, j'envoie un petit message sur le Discord en mode, est-ce que je peux revenir? J'ai un pote qui est intéressé, vous me dites et tout. Et j'ai pu me faire accompagner. Donc on est retourné à l'event pour la clôture. Donc sur, je crois que sur la fin, pour les 50 000, notamment quand on a atteint les 50 000 euros, on me voit un peu au fond dans la foule. Et c'était incroyable parce que ça s'est clôturé. Donc à vraiment 18h, 18h05, ça s'est fermé. Donc la cagnotte actuellement à 57 000 et quelques euros. Je sais qu'il devrait y en avoir un peu plus parce qu'il y a eu des soucis de gestion de cagnotte. Donc, mais c'est énorme. Hein. Faut se dire que en un week-end, on a récolté la moitié, plus de la moitié, du budget annuel de l'association Elles Imaginent. Et des meufs qui étaient vraiment ultra refaites parce que quand tu leur parlais, elles te disaient, bah quand on pense que nous, ça nous prend 3 mois de demander des subventions pour avoir 7 000 balles, ce qui est beaucoup, 7 000. Mais au final, quand ton budget annuel, c'est 100 000 balles, ça en fait des dossiers. Et là, elles se disent, bah en fait, en un week-end, on a gagné des mois et des mois de travail où on fait pas d'administratif et du coup, on aide les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, ce qui est bah, top. Donc c'était cool et du coup, il y a eu un petit after et franchement, ça m'avait un peu manqué parce que ça fait longtemps que je suis plus trop là-dedans, mais c'était très cool ce petit after entre gens de Twitch. Voilà. Avec, enfin, il y avait plein de gens hein, qui étaient là, des gens du coup voilà, de Furax, hein, et Bibi était là, Nathalie, Joule évidemment, Cereza, la chaîne de Nathalie, Sovan est resté, Feldup, d'autres gens comme Brusalka aussi que j'ai rencontré sur l'événement, qui est une meuf très très cool, et à qui je pense proposer 2-3 trucs à l'avenir. Rusalka, Mama Paprika, du coup, Marinette Perrin. Et en fait, vraiment, c'était juste gros stuff où il faut finir les restes et il faut se barrer avec tout ce qu'on a. Et fun fact, alors je l'ai pas, parce que je l'ai oublié ailleurs, c'est pas chez moi, mais du coup, on avait un des sponsors qui est Oli, qui fait des boissons énergisantes. En gros, c'est de la poudre que tu mets dans 50 centilitres d'eau et que tu secoues, que tu mélanges. Et du coup, Oli, en fait, avait envoyé plein de shakers, plein d'échantillons et tout. Et bah, globalement, à la fin, c'était un peu en mode, en vrai, les bénévoles, c'est pas grand-chose, mais si vous voulez un petit shaker, si vous voulez machin, faites-vous plaisir. Donc j'ai ramené mon petit shaker avec quelques échantillons de poudre Oli, qui est pas si dégueu. Hein, je suis pas payé pour dire ça. Et du coup, je suis rentré avec ça, plein d'autres trucs aussi, des contacts plein les yeux. De nouvelles connaissances et tout, et ça fait super plaisir. Et normalement, j'essaie de. Voilà, j'en ai parlé et tout, mais du coup, il y a déjà des réflexions pour qu'est-ce qui peut être fait de mieux l'année prochaine dans Furax. Et je sais que moi, j'ai vraiment appuyé le fait que, éventuellement, en termes d'accessibilité pour les personnes sourdes, ce serait top de vraiment faire un truc et de pas faire un truc à l'arrache comme on a fait là, qui avait énormément de défauts notamment. Et je sais que les meufs sont chaudes. Donc il est possible que je revienne aussi sur Furax en tant que bénévole et que pour le coup je puisse amener les contacts et le savoir-faire aussi que j'ai en lien avec la culture sourde, la communauté sourde et tout, en faisant participer du coup des acteurs et des actrices de cette communauté, idéalement des actrices du coup vu l'événement. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le gros truc d'avant les vacances. Et ça a fait d'ailleurs très bizarre de redescendre et de revenir à la vie normale après un événement comme celui-là, quoi. J'ai très hâte que ça puisse se refaire et je croise les doigts pour que ça se refasse et que je puisse y être à nouveau parce que vraiment, c'était incroyable. J'en ferai pas mon boulot. Je serais très content de faire du bénévolat et tout, mais alors, incroyable. Incre, 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 comme disent les jeunes. Voilà. Et puis, bah, comme j'ai dit, du coup, pendant cette semaine-là, j'ai aussi fêté mon grand âge. Donc
voilà quoi, maintenant ça y est, je suis vieux. Je suis officiellement vieux, je suis à 31 ans de la retraite, ça dépend des réformes. 31 ans de la retraite, mais elle sera pas dingue non plus. Mais voilà. Et je suis content quand même d'avoir eu des vacances parce que je pense que j'aurais pas tenu de faire la journée du samedi, la soirée du dimanche et de rattaquer le boulot le lundi. J'aurais été dans un sale état de bon matin le lundi. Par contre, est-ce que le stream est stable du coup de votre côté? Parce que du coup là, Twitch arrête pas de me dire tu pues la merde. C'est très bizarre. Est-ce que éventuellement. J'ai pas fait de speed test, mais. Parce que pour le coup, mes retours sont nickel. J'ai deux retours différents. Je suis en 4G sur smartphone, je suis en Wi-Fi sur le PC juste pour avoir le retour du stream. Le stream est stable. Ok, donc c'est probablement Twitch qui dit de la merde. Parce que Twitch, depuis le début, il me dit « Ah non, 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 hein, t'en vois pas assez. » Et même OBS... Ah, alors si, par contre. Image perdue, là. Oula. Si. Ok. Alors normalement, c'est revenu. Je pense... On est bon. Est-ce qu'on est bon? Il n'y a plus d'image perdue. Tout va bien. Je suis revenu dans le vert. J'ai l'impression que c'est redevenu fluide. Et du coup, je pense savoir pourquoi. Ok. Bon, je pense du coup, c'est juste que j'ai voulu faire un speed test. Bon, du coup, ma connexion va bien. Donc, voilà. Je pense que j'ai voulu faire un speed test et ça n'a pas aimé. Voilà. Bref. Sur ce, bah voilà. Donc, à résumer, très content que tu aies pu m'apercevoir en fond sur la chaîne de JD. Je suis partout, hein. Sur ce, moi, je propose... Sans transition, enfin il y en aura une scène à une autre, vous savez, qu'on passe à la recette. Parce que c'est une recette qui prend une heure et demie à peu près, voire un peu plus. Et puis, on voit ce que ça donne. J'ai calculé, je suis à 34 ans de la retraite. Mais alors après, est-ce que le système belge, c'est le même que le système français, avec des trimestres à racheter, enfin à racheter si on veut ou pas? Je passe en mode cuisine, mais je te lis quand même, hein, évidemment. Zwing! Voilà. Ah bah évidemment, ça marche plus. Ah bah attends, qu'est-ce qui se passe? Attends. Ok. Rafraîchir. Alors attends, je crois qu'il y a un... Merde! Putain, il y a un problème. Je t'ai vu. Alors attends, oui, retrait. Ah, et je t'ai vu quand JD restreamait le stream de Furax. Ah oui, je vois. Alors attends. Paf. Paf. Je suis en train de corriger. Ça va venir. Petit souci technique, évidemment. Alors que j'avais tout bien préparé là. Tac. Et normalement, vous avez la caméra qui est bien mise. Mais ok, tu m'as vu du coup ouais, à l'intro, je suppose. Super, on est bon. On est bon. Donc, je vais juste monter un petit peu le son pour qu'on m'entende mieux. En Belgique, pour l'instant, c'est 67 ans et 43 ans de carrière. Ok, alors attends, là du coup, c'est légèrement désagréable, j'en suis désolé. Je fais gaffe à ce que je dis, voilà. Hop. Alors. Tac. Ouais, c'est ça, ok. Ok. Hop. Très bien. Ouais, bah oui, à l'intro, effectivement, c'est ce qui était demandé, ce qui s'entend, hein, d'ailleurs. C'était genre, bah, en fait, lancez vos streams et restreamez. Alors, d'ailleurs, j'ai une anecdote très, très drôle, si jamais tu veux, de Sovan et Feldup.
mais c'est la même. 35 millilitres. Oui, bah, cette cuillère à thé, on va faire ça. Anecdote très très drôle de Feldup et Sauvan sur ça, parce que du coup, effectivement, il faut savoir qu'au début de... Au début donc de Furax, donc Nathalie et Jules vont faire le discours et elles disent bah en fait lancez tous vos streams. Vous si vous streamez direct, bah, vous restez en stream. Sinon bah vous raidez la chaîne principale et puis voilà. Et c'est bon, ça passe. Ok. Et mais sinon voilà, faut restreamer du coup la chaîne de Furax. Soit. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci là-dessus et tout. Et je vais voir Sauvan, enfin je passe derrière Sauvan qui me dit « Putain, je suis vraiment désolé de t'emmerder, mais... » Oh là, celui-là il est pas bon. « Je suis vraiment désolé de t'emmerder, mais j'ai pas le son. » Et donc là, moi je cherche dans tous les paramètres d'OBS, en mode « Putain, mais où est-ce qu'il est... où est-ce qu'il est le son, où est-ce qu'il est le son, est-ce que OBS reroute mal un truc, j'en sais rien. » Vraiment, petite panique. Hein. Petite panique là-dessus. Et donc on cherche, on trouve pas d'où vient le problème de son. Et là on se rend compte qu'en fait Sauvan était bien sur le stream de Furax avec le son coupé. Et là vraiment il y a eu ce moment très très drôle où tu sais on s'est regardé et moi j'étais là genre bah... On sait que c'est une erreur qui arrive très souvent. On veut montrer une vidéo, on a coupé le son. Pardon, on a coupé le son sur YouTube. Ça arrive, c'est pas grave, tu vois. Genre, on sait que ça arrive, on se sent un peu con, et puis voilà. Et vraiment, Sauvan qui me regarde et qui me dit, mais je suis le roi des cons. Et moi, j'étais là, genre, mais en fait, moi aussi. Parce que j'aurais dû checker ça, tu vois. Et vraiment, je l'ai vu qu'à la fin. Et bah, c'est de ma faute, tu vois. Et c'était vraiment très drôle parce que du coup, bah. Donc on a ça. Hop là. On a ça. Et juste après, du coup, je me dis, bah attends, je vais quand même faire le tour des streamers parce que peut-être que d'autres streamers s'en rendent pas compte. Et alors là, ça n'a pas raté. Feldup, même truc. Je lui dis, mais attends, t'as pas de son de Thorax? Et il me dit, bah, bon, il n'y a pas de son. Et là, pareil, je le regarde. Je vais sur le stream Twitch. Je remets le son. Et il me fait, oh putain, le... Ah, le con. Et vraiment, enfin, d'un côté, ça me fait beaucoup rire parce que le nombre de fois où ce genre de problème technique m'arrive, voilà, on le sait. Mais effectivement, ouais, c'est. C'était très très drôle. Yo Nana, comment ça va? Oh bah t'as raté le débrief de Furax. Oh bah alors. Alors, je regarde juste ce que je fais, attendez, parce que là, je suis en train de préparer le début de la recette. Apparemment, c'est un truc qu'il faut pas rater, sinon c'est dégueulasse. Et ben, vous voyez pas grand-chose, alors attends. Alexa, lumière blanche. D'accord. Ah, vous voyez un peu mieux, là, normalement. Je sors du taf, il faut que je réécoute. Bah, globalement, c'était très bien. Après, je t'ai fait 20 000 vocaux, nana, donc ça va. Mais en vrai, par curiosité, ouais, du coup, Damien Mie, tu parlais là, de la retraite. Je suis donc 34 ans. Parce que pour nous, il me semble. Alors, si je ne dis pas trop de bêtises, normalement, pour les personnes handicapées, donc avec un handicap reconnu par la MDPH, qui est la Maison Départementale des Personnes Handicapées, tu as le droit de prendre ta retraite à 55 ans. Bon, c'est rarement jojo. Hein. En général, on connaît la situation des personnes handicapées et tout. On n'est pas là pour parler de ça, mais on sait. Excusez-moi, je me déplace juste pour vérifier le reste. Mais en gros, tu peux partir à partir de 55 ans quand tu as un handicap. Oh, con. Compte de toi, là. Ce qui me fait. Et je crois que pour avant la réforme, alors après, c'est pour les personnes nées avant, machin, bon, ça, je. Voilà. Mais normalement, avant que la réforme passe, c'était, je crois, 62 ans, un truc comme ça, le minimum. Et d'ailleurs, fun fact, moi, je m'étais amusé à calculer avec le simulateur qui te dit, bah, vu ce que tu gagnes et vu ce que tu devrais gagner à la fin de ta vie, ce qui n'est pas énormément plus, tu aurais droit à tant de retraite et tout. Et si jamais tu t'en sors bien, tu peux racheter des trimestres pour partir un peu plus tôt à la retraite, en fait. Parce que ça se joue au trimestre en France.
Et je crois que moi j'avais droit, genre, si je pars à 65 ans, alors je me vois pas faire le taf que je fais jusqu'à 65 ans, je sais pas comment humainement je pourrais le faire, mais voilà. Et ben, j'aurais, je crois, l'équivalent de 1200 euros net. Donc globalement, ça veut dire que. Bah en fait, j'ai plutôt intérêt à avoir ma propre maison très rapidement. Voilà, attendez, sur ce, attendez, putain, je me concentre parce que moi je parle de retraite là, mais 450 grammes, on a le temps de faire on a le temps de verser ça. Je baisse un peu le feu. Parce que j'ai même pas parlé de la recette en plus là. Commande, point d'exclamation. On mange quoi? Putain, la vache, oh là, mais c'est. Oh là, c'est énorme. Oh là là, je sens que ça va déborder. Oh, je sens que ça va être la galère. Oh putain, je sens que j'aurais dû diminuer les quantités par deux. Ah putain, j'ai pas fait gaffe. Voilà, ça m'apprendra à pas bien regarder ma recette avant de la faire. Alors. Hop. Ok. Hein? C'est 55 ans en Belgique sous certaines conditions. D'accord. Alors attends, attends, attends. Paf, 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 jusqu'au premier bouillon, retirer l'eau du feu. Ok, c'est ça. Ok. Alors, d'ailleurs, n'oubliez pas de manifester demain. Moi, je manifeste pas parce que bah, j'ai un salaire de merde là et donc c'est un peu compliqué. Et donc, rater une journée ce mois-ci, vu que je viens de démarrer le taf, ce serait chaud. Mais je pense que si ça continue quand même jusqu'à la semaine prochaine, je ferai un petit jour de grève, ouais. Histoire de montrer que voilà, on est là. Après, on a la chance d'avoir un employeur qui est évidemment. Même si ça paraît idiot, mais voilà, qui est très ouvert là-dessus, qui nous dit juste, est-ce que vous pouvez juste nous prévenir quand vous faites grève? Il n'y a pas de souce, mais comme ça on s'organise parce que nous on fait de l'accompagnement en un pour un, donc si un éducateur n'est pas là, bah du coup c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il y a un gamin qui n'est pas accompagné. Et donc faut juste prévoir ça. Alors je vais réserver tout ça. Attendez, là on revient en mode sérieux. Pousse-toi le chat. Non, non, le chat, non, c'est pas le moment de faire des câlins, Lily. C'est pas, elle est derrière moi en fait. Vraiment, vous la voyez pas, mais elle est derrière, debout sur une chaise. Alors, voilà. Alors, j'ai dit oui, pain brioché. Alors, j'espère que la traduction n'est pas dégueu. Hein, d'accord, j'ai fait au mieux par rapport à ce que j'ai trouvé. Désolé, ça fait ding ding. Pardon. Là, j'en rote. En plus, j'ai pas beaucoup mangé à midi. On est sur un truc qui s'appelle du coup le chocoupan, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc effectivement une forme de pain brioché japonais. Voilà, qui a l'air très très bon. Alors moi, j'ai vu certaines personnes l'appeler le Japanese bread milk. Donc c'est une espèce de brioche, hein, au fond. Ça, on va laisser de côté. Et donc pour la préparer, donc là j'ai commencé par mélanger un peu de lait et de farine pour faire le. Alors j'espère que je vais insulter personne, le tangzhong. Aucune idée de comment ça se prononce, donc voilà. Que donc là du coup j'ai, vous voyez, c'est ça, hein, cette espèce de truc un peu pâteux. Non, le chat, non, c'est pas. Arrêtez, putain. Voilà. Je pense que vous le voyez normalement, voilà. Cette espèce de pâte. Attendez. On va filmer un peu mieux, voilà. Je vais juste. Taper, voilà, on est bon. Voilà. Que du coup on réserve. Alors il y a plein de recettes qui conseillent de le mettre de côté au frigo, machin. Nous on fait vraiment la recette standard, on va dire. Une fois qu'on a fait notre tangzhong, à nouveau désolé pour l'accent, j'espère vraiment insulter personne, si je ne sais pas comment ça se prononce, on prépare pour le reste du coup notre pain, hein, notre pain brioché, dans lequel on va mettre donc de la farine. Donc ça c'est de la farine tout usage. Idéalement pas de la farine du coup fluide. C'est les trucs qu'on peut utiliser pour faire du pain. Donc là je m'adapte. On met un peu de farine et on met un tout petit peu de sel. Donc là il conseille combien? 7,5. Alors millilitres de sel. Moi j'ai jamais vu quelqu'un mettre des millilitres de sel, mais soit. Ce serait bien que ça marche à un moment. Ça marche pas. Bon, on va dire que c'est bon.
Moi, je vais m'arrêter là parce qu'à un moment, ça va juste être de la farine et du sel, le truc. Voilà. Et ensuite, le lait, le sucre, la farine. Non, le lait, le sucre, la levure et le tangzhang. Donc là, millilitres et sel, ça va rarement ensemble. Ouais, totalement. Bah là, en gros, bon, je mélange ma farine et mon sel. On reste là. Alors là, le truc, c'est que maintenant, ils me disent que dans un bol, je dois mélanger le reste. Le problème, c'est que moi, je n'ai que deux saladiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement laver le premier saladier qu'on avait. Alors, je suis désolé, hein, c'est... Enfin, l'avantage, c'est que je peux le laver effectivement très vite, vu que la pâte n'a pas eu le temps de coller et tout. Vous savez, c'est pas le saladier dans lequel tu fais un gâteau, tu te dis, oh, je le laverai demain. Bah non, en fait, parce que si tu le laves demain, ta pâte, elle a séché. Et c'est un enfer à dégager. Donc là, je récupère mon premier saladier. J'ai très très hâte d'avoir un grand saladier, là. Ça va me faire plaisir quand je pourrai vraiment juste faire des recettes avec des quantités pour plus de deux personnes. Tac. D'ailleurs, Nana, tu vas me détester parce qu'on utilise du beurre dans cette recette. Et pour le coup, je vais utiliser du beurre doux. Donc j'espère que notre amitié tiendra le coup, malheureusement. Enfin, malgré tout, plutôt pas malheureusement. Donc oula, 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 le lapsus. J'espère qu'on restera copains, hein, malheureusement. Donc, lait, sucre, levure et tangzhong. Alors normalement, ça se fait avec un robot, hein, tout ça. Vous savez très bien, j'ai pas de robot. Déjà, j'ai pas la place et j'ai pas la thune. Donc voilà, donc on va le faire à la main. Je vais d'ailleurs enlever ma bague. Donc là, on doit mettre du lait, c'est ça, du lait, du sucre et de la levure, alors, qui est normalement de la levure instantanée. Moi, je n'utilise pas de levure instantanée, j'utilise de la levure boulangère. Ça a exactement le même effet. Donc on va balancer notre levure. Je sais pas, ils disent combien de levure instantanée? Est-ce que c'est un ou deux sachets, du coup? 7,5, ouais, millilitres, ouais. Ça veut dire qu'on balance deux sachets de levure. Vu la quantité, je vais mettre deux sachets, écoutez. Hop. Voilà. La levure en poudre, la bonne levure en poudre, comme on aime. On rajoute du coup donc du sucre. On rajoute 30 ml de sucre. Alors pareil, on est sur une recette qui est très étrange en termes de quantité. Mais du coup, 30 ml de sucre. Hein. Moi, du moment que ma balance, elle me donne 30 ml, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et évidemment, on range à chaque fois, parce que comme ça, ça nous fait un peu plus de place. Et donc, on rajoute du lait, hein, c'est ça? Le lait. Ok, donc on a 310 ml de lait. Je l'ai rangé ici. Bien fait d'en racheter. Et là, on tourne que sur des ingrédients, pour l'instant, d'origine végétale. Hein. C'est beaucoup, c'est vraiment 310 ml. Ok, bah écoutez, voilà, hein. 338. Allez, adjugé vendu, advienne que pourra. Je récupère juste, je vais juste rincer mon fouet là de tout à l'heure. Et donc, dans ce saladier, normalement, c'est un robot qui le fait. Voilà, c'est une intelligence artificielle. c'est pas mid-journée, c'est mid-cuisine qui le fait. On doit mélanger du coup donc tout ça et le truc qu'on a fait avant là, le tangzhou, qui je suppose, je vais dégager la balance pendant 2 secondes, qui je suppose du coup va absorber le lait un maximum. Déjà ça se dissout, un petit peu, donc on va mélanger ce qu'on peut parce que je vois mal cette pâte absorber l'intégralité du lait. Pour l'instant, ça me paraît mal barré, mais c'est la première fois que je fais ça. Hein, donc, Oh la merde, j'ai aspergé un peu fort. Hop là, on essuie, on va y aller plus doucement. Ça, je suis censé mélanger et j'ajoute la farine après. Hein. Ah oui, ajouter le mélange de farine. Voilà, ça c'est parce qu'après, petit à petit, on rajoute de la farine. Ça me paraît chelou de me dire on mélange que ça.
Donc on va rajouter un petit peu de farine. Comme ça incorpore bien le lait. Et à la fin, on fera tout à la main. Comme pour du pain. Hein. Idéalement, le pain, il y a une machine à pétrir, hein, c'est vrai, parce que c'est rare qu'on fasse juste une baguette, sauf quand on est chez nous à la maison. Voilà. Donc effectivement, c'est bien d'avoir un robot. Mais là, normalement, on devrait pouvoir se démerder. J'attends juste que ça devienne assez consistant pour foutre mes doigts dedans, globalement. Et surtout que je me dis que ça va déborder du saladier, donc ça va être un festival. Là, je sens vraiment le mélange, là, les bouts de mélange qu'on a cuit tout à l'heure. Là. Et vraiment, par contre, si c'est une réussite, en tout cas, si c'est comestible, j'ai envie de me congratuler à la fin. Parce que vu la gueule du truc, je sais pas. Ouais, si, vous le voyez un peu. Alors, je suis désolé, hein, c'est toujours le bordel dans ma cuisine. Vivement que je déménage. Ça va pas arriver tout de suite. C'est prévu pour la fin de l'année, début d'année prochaine. Hein. Voilà. Donc là, on continue à mélanger. Alors déjà, je vois que ça commence à incorporer un peu. Le mélange devient un peu plus épais. Il y a du beurre hein, à rajouter à la fin. Voilà. Beurre doux, hein, du coup. Même si je pense qu'en vrai, on pourrait mettre du beurre salé. Okay, donc là ça commence à devenir une espèce de presque de pâte à gâteau. Je pense que je pourrais cuire ça et j'obtiendrai une espèce de gâteau. Mais il nous reste la moitié d'un putain de saladier de farine à foutre dedans. Voilà, tout en mettant la moitié de la farine à côté. Alors, là on arrête avec le fouet parce que du coup on mélange plus vraiment comme ça. On va passer sur la marise pour essayez de mélanger tout ça, d'incorporer tout ça proprement. Puis à la fin, vous connaissez la technique, hein, on balance tout ça sur une petite planche farinée. Et on mélange bien. Ok. Donc là, ça commence à avoir une certaine forme. Qui est-ce qu'elle est ? Fun fact, hein, d'ailleurs, avec d'autres personnes, je me suis aussi proposé l'année prochaine pour aider éventuellement en régie à cuisiner Furax. Même si j'ai jamais cuisiné pour plus de 4 personnes, j'allais dire 5, mais ouais, en vrai 4. Donc ce serait vraiment du dépannage et ça ne permettrait évidemment pas de nourrir 12 streamers plus tous les gens qui bossent à côté. Hein. Le Furax, c'est pas juste les streamers, c'est beaucoup. Beaucoup, effectivement, mais voilà. C'est la presse, c'est les relations, c'est machin. C'est les bénévoles, c'est les copains de Bidule. Hop. Ok, on est en train d'atteindre un stade glutineux, là. Regardez. Ouf. Ça commence à ressembler à une pâte à brioche, en vrai. Là, ça commence à avoir une gueule. À peu près potable. Allez, on met le dernier. Allez, on est bon. On va garder le saladier de côté parce que je crois que j'en ai besoin après. Alors, ça vous donne envie, là, de faire la recette avec des petits saladiers? Alors, je vais juste vérifier, en fait, la suite pour être sûr de pas dire de quoi. Oh! Alors je regarde juste la suite, attendez. Augmenter la vitesse, pétrisser 5 minutes jusqu'à ce qu'elle soit lisse, incorporer le beurre graduellement, voilà. Le beurre, il me faut juste 40 grammes. Donc en vrai, l'incorporation du beurre va se faire manuellement. Donc là, on va juste récupérer la fameuse planche à découper qui nous sert là, aussi, du coup, à pétrir à peu près tout. Alors évidemment, ce qu'on fait juste avant, hein, on évite que ça colle à la planche parce que sinon ça va être un petit désastre. On farine légèrement la planche. Ça on le sait, hein, on s'en rappelle, on farine la planche. Pourquoi est-ce qu'on farine notre plan de travail? Petit quiz, pop quiz. Pourquoi qu'on farine? Pourquoi qu'on met de la farine alors qu'il y a de la farine partout là? Eh! Putain, ça
Par contre, c'est un enfer. Ouais, il faut vraiment que j'ai un plus gros saladier. Ok. Et donc là, hop, là, là, on ramène tout ça. Voilà. Pour éviter que ça colle, exactement, Dame Germis, c'est ça. Bon, alors là, du coup, c'est en train de coller quand même à mes doigts parce que j'ai pas fariné mes mains comme un couillon. On n'est pas sur YouTube, on peut dire des gros mots. Oh la vache. Alors, je retourne encore. On est bon. C'est vécu. Oh la vache. Alors, attends. Voilà. On va essayer de sauver ce qu'on peut parce que là, j'ai pas fariné mes mains. Ça colle quand même beaucoup. Tant pis. Ça m'apprendra. Là, je suis en train de perdre un peu de bouffe. Ça me fait un peu chier, mais. Je vais nettoyer mes mains. Je vais bien les sécher. Fariner la pâte, du coup. Voilà. Mais effectivement, c'est pour éviter que ça colle, parce que bah, la farine, elle a ça, c'est que ça colle pas. Et globalement, c'est pas dangereux de le faire pour votre plat. Pourquoi ? Parce que si votre plat, il a suffisamment incorporé de farine, il va pas en incorporer beaucoup plus. Alors il peut, hein, si vous noyez votre brioche dans la farine, évidemment qu'à un moment, elle va être pleine de farine. Mais... s'il en manque, ce qui est potentiellement mon cas, là vraiment vu comment ça colle, je pense que c'est ça. Tac. Voilà. Hop. Hop. Là, s'il en manque un peu, bah, la pâte va incorporer ce qui lui manque de farine, tout en empêchant de coller, effectivement. Et du coup, paf, voilà, là on est bon. Hop, voilà, c'est un bordel, je suis vraiment désolé, comme ça colle un peu, c'est un peu le bordel. Dans pas longtemps, on est bon. Je suis en train de regretter déjà d'avoir voulu faire cette recette. Je pleure intérieurement. Voilà, désolé, hein, je rajoute beaucoup de farine, mais alors là, je pense que... Ouais. Je comprends l'intérêt du robot, du coup. Même si j'en veux pas. Voilà. On est bien beau, là. Tac. Voilà. Ok, donc là on commence à avoir une pâte un peu homogène et tout. Il nous manque juste un petit peu de beurre. Donc ce qu'on va faire, pareil, je vais encore me rincer les mains, tant pis, hein. C'est de la bouffe de perdu. Ça c'est moi qui fais de la merde. Et il faut incorporer 40 grammes de beurre. L'avantage c'est que c'est pas énorme. Et surtout c'est du beurre qui est à température ambiante. Donc j'ai pas besoin de faire fondre du beurre et de le mettre dedans. Voilà, on met vraiment du beurre à température ambiante. Donc ce beurre là, c'est du président classique, hein, que j'ai sorti il y a un petit peu avant le début du stream. Donc il est déjà un peu mou, ce qui est bien, surtout vu cette période, il fait encore frais. Et donc on met 40 morceaux de beurre. Pas d'indication sur le poids, vous vous démerdez. Non, non, on met 40 grammes évidemment de beurre, hein, non pas 40 morceaux. Qu'on va du coup foutre dans la pâte et on va hop voilà on va faire des petits bouts. Donc là j'ai 40 grammes à la louche, hein, mais en vrai je vais pas me faire chier à peser mon beurre, hein. Parce qu'en France d'ailleurs, bah, contrairement par exemple aux États-Unis, hein, où c'est des sticks, au Canada aussi d'ailleurs, là on est sur un beurre en fait qui est grammé aussi, et du coup on peut le découper, et ça nous indique par planche de 25 grammes la quantité. Donc là j'ai mis un petit peu moins de 50 grammes. Donc là on va bien le mélanger. Pourquoi on insiste bien, hein, sur le mélange, c'est con, hein, mais si je fais juste ça, je vais avoir en fait une partie avec un peu de beurre. Hop, ouh la vache, voilà.
Et là, l'idée, c'est que vraiment, voilà. Ouais, hop, on appuie. Alors, vous le voyez peut-être pas, parce que je suis désolé, la définition n'est pas zinzin sur ma caméra de cuisine, mais en gros, voilà. En fait, ça, on l'aplatit, on le répartit partout. Un robot, évidemment, ferait ça de manière un peu plus homogène. Mais nous, on est là pour bosser à la main. On est des artisans. Et là, par contre, ma pâte me paraît très bonne, hein, déjà. Je veux pas me jeter des fleurs. Mais ma pâte me paraît excellente. On commence à avoir un truc, voilà. Hop, bien mou, je sens les petites plaques de beurre. On va bien remuer. L'avantage d'ailleurs de le faire à la main, à votre avis, pourquoi ça peut être quand même plus intéressant de, bah justement d'ajouter du beurre à température ambiante dans la pâte à la main et pas de le faire au robot? Est-ce que vous avez une idée? De ça. Tu peux reposer. Oui. Pourquoi c'est quand même, ça peut être plus intéressant que le beurre à température ambiante soit incorporé puis que tout soit fait à la main par rapport au fait de le faire avec un robot. Bon, normalement, on devrait être bon. Et ben en fait, il faut savoir que le beurre, il fond, justement, il commence à fondre à température ambiante. Et donc, la température du corps humain, alors j'ai plus la température exacte, je crois que c'est 36 degrés, le corps humain. Même moi, avec mes mains froides, hein, évidemment, parce que j'ai ce petit syndrome qui fait que mes mains sont généralement très très froides. Ben, quand on mélange à la main, on va toucher le beurre et on va lui permettre de fondre un petit peu plus et de bien s'étaler. Ce que ne fait pas la machine. Généralement, évidemment, il y a des machines hein, qui font ça, on va pas. Voilà. Hop. Voilà. Et donc ouais, le fait de mélanger ça à la main, c'est comme pour dans la recette des roulés à la cannelle, ou globalement de n'importe quelle recette où vraiment vous avez du beurre à foutre dans une pâte, mélangez-le à la main, ça permettra au beurre de finir de fondre et de bien s'étaler. Si vraiment un jour, si vous voulez tester, hein, vous prenez un bout de beurre, vous le tenez dans votre main comme ça, il va commencer à fondre assez rapidement. C'est le point de fusion, c'est ça? Un point de fusion assez bas. Alors, je vais juste regarder un dernier truc. Donc, on incorpore, on renverse la pâte, main, trois parts égales, faites des boules, ok. Donc ça, c'est ce qu'il nous reste à faire. Donc là... Hop, j'ai eu ma petite pâte. Et là, on arrive à la partie déteinte. Puisque du coup, il va falloir faire trois parts égales de tout ça. Donc on fait un peu comme on peut, mais... Voilà. Une part là, à peu près. Hop, par là. Et une part, bon, la part du milieu... Voilà. Elle est un peu plus grosse, donc... Et on fait trois petites boules. Trois petites boules bien lisses. Alors, lisses. En vrai, j'avoue, je sais pas du tout comment faire des boules de pâte lisses. Ça fait partie de mes gros dilemmes de ma vie. Tac. Donc, tant pis. Mais voilà, on se fait trois petites boules qu'on va devoir laisser lever un petit peu. D'où l'intérêt du coup d'avoir foutu à l'origine de la levure là-dedans. C'est à ça que ça sert la levure. Avec le lait, ça s'active un petit peu et tout. Voilà. Ouais, vraiment, j'avoue, faire des boules, c'est absolument... Vous voyez, hein, c'est pas lisse. Enfin si, c'est lisse là, mais c'est pas lisse là.
Peut-être que si je la tape assez. Donc là, on a nos trois boules qui sont de taille plus ou moins égale. Ce qu'on va faire, on va les laisser là et on va devoir les laisser lever. Alors, selon les recettes, j'ai vu que ça allait de laisser lever 15 minutes à laisser lever 23 heures. Nous, on va laisser lever 30 minutes. Et on va juste mettre un torchon dessus pour éviter qu'éventuellement des bestioles viennent là. Parce que bah, avec les plantes que j'ai des petites mouches. Et donc les mouches peuvent totalement venir. Voilà. Et ce que je vous propose... Ce que je vous propose du coup... Je baisse un peu ma voix. Voilà. Ce que je vous propose en attendant, je vous mets juste un petit écran de pause du coup. Alors pas de 30 minutes, évidemment. Mais un petit écran de pause. Je reviens dans 5 minutes, et puis on papote en attendant tout ça, machin, voilà. Ah, tout de suite. Thank you.
Re. Alors, je vais baisser un petit peu le son, voilà. Re. Alors du coup, j'ai mis un petit timer de 30 minutes sur lequel il reste, laissez-moi checker. Allez Alexa, tu peux faire un effort. Minuteur. Voilà, il reste 26 minutes. Re. il reste 26 minutes. Donc évidemment, pourquoi on fait ça? Alors, je pourrais le faire plus longtemps. Après, bon, on est en stream, mais c'est vrai que là, une heure où il se passe rien, c'est chiant. Enfin, je suis très intéressant quand je parle, mais voilà. en vrai, 30 minutes, normalement, ça devrait être suffisant. Après, il y a plein d'autres trucs. Enfin, en théorie, il y a 20 000 étapes, hein, si vraiment on veut le faire. C'est-à-dire qu'après, on abaisse, on recouvre le tout, on relaisse lever avec un peu d'huile et tout. Ah oui, non, là, ils disent laisser reposer 15 minutes, pardon. C'est après que ça lève. Donc, je surveille le timer, mais dans 15 minutes, on repart sur la préparation. On repart sur la préparation et paf. Là, on laisse reposer, du coup. En vrai, ils disent, voilà, laisser reposer tant de temps, ou alors machin. Enfin, je vois, 1h15. Non, je vais pas laisser reposer 1h15. Je vais laisser reposer moins. Ce sera pas la vraie recette. Ça veut dire que le résultat sera pas exactement ce qu'on devrait avoir, mais 1h15, c'est... Oh. Hein? Moi, j'ai plus d'épisodes de cauchemar en cuisine à vous faire voir. Alors, remarquez si j'ai quand même une vidéo sur laquelle je suis tombé il y a pas longtemps. Qui me fait... qui me fait délirer beaucoup. Et que je vais vous montrer. Et Coyote a récupéré à boire. Bienvenue Coyote, ça fait longtemps. Je prévois la vidéo et j'arrive. J'arrive. Je prépare tout ça. Paf. Alors c'est une vidéo, c'est de la musique. Hein. Faut pas paniquer. Hop. Kitak VLC, on s'en fout. Ah c'est bon. Je vais juste caler. Ça un peu mieux. Tac. Tac. Et zou. Voilà. J'arrive après la bataille. Alors t'arrives pas du tout après la bataille. Attention. Non, t'arrives pas du tout après la bataille. Là, la pâte est en train de reposer pendant 15 minutes. Après, on va la repréparer avec un peu d'huile et tout, machin. Et on va la laisser reposer à nouveau 30... Enfin, normalement une heure, mais du coup, 30 minutes. Donc tout va bien. T'es pas du tout à la fin. Regardez ce que je vous prépare. Waouh. Transition. Non, pas du tout. Et c'est pour ça aussi que j'avais décidé d'ailleurs hein, de faire les streams, et je pense que ça va peut-être être le cas à partir de maintenant, faire les streams cuisine plus tard, du coup. Parce que je remarque qu'en fait, quand je les démarre à 18h et tout, bah, je les finis pour le repas. Sauf que justement, bah, je mange à peu près à la même heure que tout le monde. Donc bah, quand vous cuisinez et que vous bouffez, vous êtes peut-être pas devant Twitch. Donc c'est un peu plus sympa. Voilà. Mais j'ai cette vidéo à vous montrer. Alors, vous le voyez avec le titre. On va juste mute Twitch soundtrack. Vous le voyez avec le titre. Juste des notifs à regarder. Sovan a aimé votre commentaire, bien sûr. Big up à Sovan, hein, d'ailleurs. On embrasse. Mais ouais, comment ça va sinon, Coyote? J'espère que tu vas bien. Hop, petit brossage de barbe. C'est devenu mon nouveau truc en ce moment, j'adore. J'ai beaucoup trop de barbe, je le réalise, mais j'ai pas envie de la raser. Donc, voilà. Il y a un ventriloque. Ah, je vois une poupée. Alors, je sais absolument pas pourquoi il y a la poupée. Mais, du coup, vous voyez avec le titre, là, qui est en dessous de la vidéo, l'art d'être chat, les arts des choix, l'art d'être chaud, hymne de l'Ardèche, clip officiel. Vous n'êtes pas sans savoir que moi je suis pas un parisien, je suis pas un titi, je suis pas né à Paris et tout, je suis à Paris depuis, ça doit faire 5 ans maintenant, environ. Ça doit faire 5 ans je crois que je suis là, je sais même plus, je me rappelle même plus de quel âge je suis arrivé, mais je crois que ça fait 5 ans. 4 ans et demi, 5 ans. Et du coup, moi, en fait, à l'origine, voilà, je viens du sud, je viens de Valence, mais je suis né notamment en Ardèche. Et donc, évidemment, comme toute personne née en Ardèche qui se respecte, c'est comme la personne qui est née en Bretagne mais qui a grandi à Paris, il est breton. Eh ben, moi, c'est pareil. Je suis ardéchois.
Il faut savoir qu'en fait, on a un hymne en Ardèche qui est, alors je ne sais pas si c'est une reprise ou pas, mais qui ressemble du coup fortement à l'hymne occitan qui est Sécanto, qui est un hymne du coup chanté en occitan. Et l'ardéchois est une langue qui est plutôt proche de ce que j'ai pu lire et entendre de l'occitan. Et donc on a un hymne que je vais vous faire écouter. Alors c'est la version punk avec des sous-titres, hein. Il y a les sous-titres et tout, je vous les mets, il y a les sous-titres en ardéchois et en français. Je vous les mets juste après avoir lu les trucs dans le chat, mais voilà. Et en fait, c'est un truc sur lequel je tourne depuis des années, que je fredonnais et tout, sans trop le connaître. Et du coup, je suis retombé dessus avec cette version, du coup, de Émilien Buffat et les Ardéchois. Parce que, évidemment, bah, en Ardèche, on a aussi le FLNA, hein, le Front de Libération Nationale de l'Ardèche, qui, souhaite que l'Ardèche redevienne un pays indépendant. Voilà. On est peut-être connu pour nos chèvres. Mais quand même. Pas, j'ai pas mieux par contre. Du coup, Coyote, ça va, ça vient, les douleurs sont supportables, mon maître de stage. Ok, c'est de droite. Bon, bah bon courage avec ton maître de stage. Tu as pu récupérer de la fatigue, ton boulot et tout. Alors le boulot, j'en ai trouvé un autre, ouais, que j'ai démarré en février, qui me plaît très très bien. Là, je suis revenu dedans d'ailleurs, parce que c'était les vacances. Et la fatigue, ouais, tout va mieux. Tout va mieux. C'est bien pour ça d'ailleurs que je stream. Nana BZH, est-ce qu'il y a l'emoji breton sur Twitch? Est-ce qu'il y a un emoji breton? Mais voilà, mais je vous fais partager cette expérience musicale. Il n'y a pas de ventriloque, du coup. Enfin, peut-être que la personne qui a la marionnette est ventriloque, en fait, j'en sais rien, mais c'est pas le point de la vidéo, du coup. Mais que vous puissiez profiter avec sous-titres. Alors, je crois que d'ailleurs, quand on met les sous-titres, YouTube a un truc très rigolo. Voilà, sous-titré en graphie occitane normalisée. Et traduction française. Mais par contre, même si je ne parle pas ardéchois et que je parle pas occitan, pour avoir vu de l'occitan et de l'ardéchois, c'est très proche, mais c'est pas exactement pareil. Après, je sais pas s'il y a une vraie différence linguistique, si c'est deux langues différentes ou si l'ardéchois est une variante de l'occitan. Ce qui paraît très logique, je vois pas pourquoi l'occitan serait une variante de l'ardéchois, parce que l'Occitanie c'est quand même vachement plus grand que l'Ardèche. Mais voilà. C'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Sur une vidéo YouTube. Et donc je vous laisse profiter de ça parce qu'on est sur 3 minutes 44 de pur plaisir auditif, sur évidemment un des meilleurs pays du monde, le pays de la châtaigne, le pays de la chèvre, le pays des cousins qui sont aussi tes parents, mon pays à moi, l'Ardèche. Et si je coupe, si je remets pas le son, j'avais une super intro, j'ai tout niqué. Je crois que les deux découlent de la langue d'oc. Ok. Eh ben, merci. Oula. Ah, merci pour les beats, Coyote. Merci beaucoup. Azumai Kri. Sur ma vie, la décho, azumai, revi, la décho, meveyou, poi, sur ma vie, la décho.
Ce qui est vrai, nous avons des châtaignes énormes. Voilà, bah j'espère que vous avez apprécié en tout cas ce moment culturel que vous ne connaissiez pas, et je sais pas si vous vouliez le connaître, mais vous l'avez. Merci encore en tout cas Quiet pour les 1500 bits, hein, putain, en plus, j'avais mal lu, j'avais lu 150, 1500, merci. Tu es d'ailleurs officiellement le top des donateurs de bits de la chaîne, avec 2505 bits donnés. Bah merci beaucoup, c'est le jour de la moulaga, écoute. Merci, c'est pas parce que c'est le jour de la moulaga qu'on donne forcément, donc ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir d'avoir ça, surtout en ces temps rudes d'inflation. Mais du coup, attends, tu dis, on dirait l'air de Oh My Darling Clementine. Alors par curiosité, attends, je vais aller voir, qu'est-ce que c'est Oh My Darling Clementine, parce que ça me dit rien du tout. Alors je vais prendre, désolé, hein, je prends vraiment le premier lien. Je vois le... Ouais, ça ressemble beaucoup, ouais. La Decho Merveilleux Spice. Oh, on a un truc. Mais alors, en vrai, c'est aussi l'air de, du coup... Pour vous montrer la comparaison, je vous mets pas le chant en entier. Je crois que c'est que 15 balles pour toi, mais c'est toujours mieux que l'abonnement qui te donne... Bah, et moi je me fous des frais sur le relevé bancaire et je pige pas pourquoi. Bah non, mais... c'est... Oui, effectivement. C'est... Alors, les bits, parenthèse, mais du coup, effectivement, les bits sont plus intéressants à la fois pour moi et pour vous, si vous voulez passer par le système de Twitch pour me donner des sous. Parce que effectivement, l'abonnement, quand vous subez pour 4,99€, moi, je reçois 1,30€, 1,50€, ça dépend des subs, étrangement. C'est pas exactement pareil, sauf les primes, où je crois que c'est 1,80€ à chaque fois. Enfin, 1,80€, mais voilà. On est à quelques centimes près, là, la conversion joue pas énormément. Mais effectivement, en fait, quand vous achetez des bits, quand vous achetez, par exemple, 15 000 bits, vous ne payez pas 15€, vous payez 15€ et quelques, et en fait, vous payez Twitch directement. Alors, il y a peut-être des frais bancaires, mais ça, je ne sais pas. Voilà. Après, si vraiment vous voulez soutenir la chaîne et que voilà, vous voulez que le max d'argent que vous donnez me revienne, en tout cas soit dans ma cagnotte perso, et ne revienne pas à Twitch ou à un autre organisme, la meilleure solution qui existe nécessite de passer par un autre site qui s'appelle Utip, et c'est ce que fait notamment Dame Germis tous les mois. Voilà. Ah bah voilà, trop tard, merci, tu vois, je l'ai fait avant toi, merci beaucoup. Utip, vous avez des frais avec PayPal et avec la carte, je crois qu'avec la carte c'est genre 30-40 centimes, et avec PayPal c'est un peu plus, enfin c'est genre peut-être 15 centimes avec la carte, 40 centimes avec PayPal, mais voilà, et vous pouvez faire des dons, ce qui est le cas de Dame Germis, et je le remercie encore d'ailleurs, parce que bah, mine de rien, ça joue et tout, machin. C'est d'ailleurs la petite barre que vous voyez en bas, là, aide pour les live cuisines, c'est la barre de Utip. C'est les sous que je reçois uniquement sur Utip. D'où le fait que les bits ne rentrent pas dedans.
Mais si jamais vous vous dites, Gecko, j'ai envie de lui filer même 1 euro, mais j'ai envie vraiment qu'il récupère 7 euros, et j'ai pas envie de sub ou quoi machin, vous pouvez totalement aller sur ma page Utip, faire un don ponctuel ou mensuel, c'est au choix, et moi vraiment, à nouveau, je force personne, et ça permet, bah, notamment, c'est le cas du coup de cette barre, mais en vrai, c'est le cas de tout, ça permet de financer les streams et de financer l'argent que je mets, notamment, parce que c'est les live cuisine qui coûtent des sous, de payer ça, éventuellement aussi de payer bah, les interprètes, même si c'est très rare, mais là, notamment, fin mars, je pourrai en parler juste après, on va avoir à nouveau Sabine qui va revenir sur la chaîne pour interpréter en langue des signes française. Et l'interprète, pour info, me revient, là, sur l'horaire où je la paye, à 60 euros. Donc c'est des sous que je peux me permettre, mais c'est vrai que, voilà, quand on reçoit des sous, eh bien c'est toujours bien de pouvoir les remettre directement, voilà, ça m'évite de trop sortir de ma poche. Merci énormément d'ailleurs, Dame Germis, pour les 100 bits. Bah peut-être, disons que c'est le stream de l'argent, mais je vais le garder pendant 3... On va faire lever les... tout ça pendant une heure. Non, merci énormément, je rigole, hein, mais merci beaucoup, Dame Germis. Pour le fun fact, ça te place à quelle position? Ah, tu n'es pas... J'ai pas les positions. Ah non, j'allais dire merde. Ça, est-ce que ça te place en X position sur la chaîne dans les donateurs et tout? Mais je te vois pas. Mais donne pas plus. C'est bon, on est bon. Tu me donnes déjà des sous sur YouTube. Coyote, pour répondre à ta question, la barre, par contre, est-ce qu'il y a... Alors attends, je vais juste aller... je vais juste aller là. Ah, je veux faire pause, merci. Coyote, la barre, est-ce qu'il y a un plafond ou pas? Alors, il n'y a pas de plafond. Par contre, la barre se réinitialise chaque mois. Et idéalement, ça j'en avais parlé, mais c'est vrai que je vais le redire parce que je pense que je l'ai dit, vous étiez peut-être pas là. Je suis loin du top 10. Oui, mais t'inquiète, Dame Germis. Franchement, voilà, on n'est pas. Pff, t'es VIP, t'as le badge Beats et tout. On est bon. Donc, oui, Coyote, en fait, idéalement, tous les mois, si j'avais 20 euros, à peu de choses près, ça paye plus ou moins les streams cuisine. Sachant qu'une partie des ingrédients, je les ai déjà, parce que c'est mes courses perso, mais du coup, je réutilise. Et je compte à peu de choses près ce que je rajoute. Ce que je rajoute dans le... Pardon. Dans le... Dans mon budget, enfin voilà. Où j'avais pas prévu de l'acheter. Oula ! J'avais pas prévu de l'acheter. Mais du coup, je l'achète exprès pour le stream. Et parfois, ce sont des ingrédients que je ne peux que j'utilise exprès pour ça. Bon, là, en vrai, c'est vrai que le coût de la brioche... À part la farine que j'ai rachetée et le beurre, c'est pas énorme. Mais voilà, sur le mois, globalement, j'ai 20 euros, 20, 30 euros plus ou moins. Voilà. Donc en fait, si par exemple quelqu'un me donne 21 euros, la barre sera remplie comme si elle était à 20 euros. Voilà. Et il y a juste le montant que j'ai rajouté au-dessus. Si un jour, j'ai quelqu'un qui est très généreux ou j'ai plein de dons qui du coup font que la barre elle est remplie à 100%, mais. Ça continue à donner, bah du coup, voilà. Vous avez d'ailleurs des alertes très rigolotes, mais je sais pas, je crois pas que je les ai mises, les alertes Utip là-dessus. Si. Vous avez des alertes très très rigolotes avec une licorne, je crois, qui fait un dab. Voilà. Donc effectivement, ouais. Et d'ailleurs, on avait remarqué la dernière fois, quand on a vu un don, si j'actualise pour revoir l'alerte, ça augmente le montant sur la barre, alors que non, ça vous prélève pas plus, mais voilà. Mais ouais, ouais. Alors, je vous propose juste que je vous montre rapidement pour vous dire à quoi ressemble l'hymnaire des choix. On va préparer les petites bouboules. Elles reposent et on revient. Donc, juste pour vous montrer, à l'origine, je pense, l'hymne, c'est ça. Du coup, donc, c'est l'hymne occitan. Oh la vache, attendez. Putain, oh la vache. Ça a dû péter dans le micro, j'en suis vraiment désolé. On se le refait. On baisse un peu le son. Voilà, c'est ça. C'est Canto Yoke Kanti. Donc, si tu chantes, machin, tout ça. Voilà. C'était la petite info. Bonus. De tout ça. Sur ce, je vous propose qu'on revienne, du coup, sur la
cuisine. Voilà. On se remet en mode cuisine. Alors, je vais juste dégager ça. Voilà. Et on va devoir préparer les petites bouboules qui, bah, là, du coup, vous voyez le torchon, hein, mais du coup, qui sont sous le torchon. Donc, il va falloir abaisser tout ça et faire des petites bouboules qu'on va mettre dans un moule. Alors là, pour le coup, c'est la petite info bonus. Je vais même monter un peu plus. Ouais, alors, c'est normal si le son augmente. C'est juste que comme je m'éloigne, je dois d'abord augmenter le son sur mon PC et ensuite, regardez mes petites mains, je suis là. Voilà. Donc on les a laissés reposer un petit peu. Alors on va juste les dégager parce qu'on va les, préparer pour le moule. Idéalement, ouais, ça va, c'est dehors. Idéalement, on les met dans un moule comme ça avec un couvercle fixé par-dessus. Voilà. Bon, là, il a l'air un peu dégueu, mais tout va bien, c'est que du dehors. Et donc, on va devoir abaisser la pâte. Bon, abaisser la pâte, c'est un terme technique pour dire on fout le rouleau. Hein, voilà. On étale et on fait une espèce de d'ovale rectangle vite fait, voilà. Donc là, je fais vraiment bah, le max parce que je suis limité par ma taille, par ma truc, voilà. Et tac, et on roule tout ça. Tac, 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 tac. Et je me rends compte que c'est vachement épais. Tac, donc je le replie un peu et on le fout dans le moule. Ouais, putain, c'est... Bon, ça a une sale gueule. Tout va bien. Et en gros, voilà. Là, on va abaisser notre pâte. On va essayer de la garder pas trop large. Tac, tac. Donc, je la baisse non plus pas trop, au final. Et on les roule. On en fait des petits roule-roule. Vous voyez ? Pop, 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 pop. Tac. Donc, il me faudrait quand même un moule beaucoup plus large, au final, hein. Ou juste une recette avec moins. Moins, en général. Voilà. Donc on va abaisser nos trois petites bouboules. Voilà. On les roule-roule. On les roule-roule bien. Ah merde. Voilà. De manière à ce que ce soit plus ou moins homogène. Voilà. Et pareil, je roule tout ça et je le mets là. Donc là, j'ai mes trois trucs. Et là-dessus, on va foutre de l'huile. Alors, comment est-ce qu'on met de l'huile? On a deux possibilités. Soit on le met à la zob, c'est-à-dire que je verse de l'huile, et basta. Ou alors, on utilise un pinceau. Et je suis en train de me rendre compte que je sais pas où j'ai foutu mon pinceau. Attendez. Ah si, c'est bon. Pinceau d'ailleurs que j'ai, mais idéalement, prenez des pinceaux en plastoc. Enfin, là c'est du silicone en vrai, c'est pas du plastique. Pardon. Parce que ça se nettoie vachement plus facilement que des pinceaux à poils. Voilà. Et surtout, ça, bah, ça n'exploite pas d'animaux. Et ça se conserve suffisamment longtemps pour que l'impact général sur la planète, eh ben, il soit meilleur. Parce que produire du silicone, certes, c'est polluant, mais si on produit juste pour un truc en silicone que j'achète, je vais remettre un peu, voilà, et que je vais garder pendant 5-6 ans, ça pollue vachement moins que du pinceau à poil ou poil synthétique ou quoi. Donc là, l'idée, c'est que voilà, on fout un petit peu d'huile dessus. Bon, là, en vrai, faites pas ce que je fais, c'est vraiment de l'huile d'olive qui vient de Nyons. Très très bonne huile d'olive, de qualité, sauf que j'ai plus d'huile. Et l'huile, ça commence à coûter un bras. Donc, non. Voilà. Tac, 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 voilà. Donc là, on badigeonne le dessus, vous le voyez bien, hein. Ouais, ça va. Voilà, le dessus de nos trucs d'huile. Alors, en termes de quantité, il n'y a pas vraiment, hein. C'est la recette te dit, ouais, tant que ça passe. Et franchement, c'est à peu près ce que j'ai fait, tant que ça passe. Désolé, ça bouge un peu, je remets mon huile, voilà. Ça, tant que ça passe, ça passe. Donc là, on a ça. On va remettre notre torchon dessus. Vous savez qu'on pourrait mettre du film plastique, mais j'en ai pas. Donc là, je vais juste mettre un torchon tendu. Et là, effectivement, on est sur 30 minutes d'attente. On va bouger un peu tout ça. Voilà. 30 minutes d'attente pendant lesquelles on va pouvoir enlever le papier cuisson de notre four. Qu'est-ce que c'est? J'avais un couteau. Oula, oui, j'avais un couteau dans le four, dites donc.
Et on va pouvoir préchauffer notre four parce qu'il va falloir que ça chauffe tout ça. Il va falloir le faire cuire. Je vous lis juste après. Hein. Je vois qu'il y a des trucs et tout, mais voilà. Donc 180 degrés. On va passer à 180. Paf paf. Yes. On baisse un petit peu. Voilà, le micro. Normalement, vous êtes bon. Je vous remets de la musique en fond. Ding, ding, ding. On revient en mode facecam avec la transition PowerPoint que tout le monde adore, que j'ai faite à la maison. Alors, tu as dit pinceau à poil, c'est poil ou poil? Perso, je dis poil. Alors moi, je dis pareil. Les, y a pas de, moi, je fais pas de la distinction. Donc du coup, c'est le premier. C'est un truc d'ailleurs très rigolo parce que c'est un des restes que j'ai, hein, parce que j'ai perdu mon accent en venant à Paris. Mais effectivement, vous connaissez hein, les accents régionaux. Voilà, on dit pas les mots de la même manière, voire des fois on n'a pas les mêmes mots. Mais notamment chez nous, dans le sud, donc Drôme, Ardèche, Rhône-Alpes, Auvergne, c'est un peu ça. Même plus tu vas vers le sud-est ou sud en général, c'est un peu pareil. Y a là où on est censé faire des distinctions, on les fait pas. Donc c'est comme les O. Donc vous avez le O avec la lettre O avec le AU, par exemple. Moi, c'est le même son. Genre, la pomme de la main et la pomme, le fruit. Le rose, le fleuve, le Rhône, c'est pareil. C'est le même O. Et c'est une espèce de A. Enfin, c'est, on dit, voilà, le Rhône. Le Rhône, le rose, la rose, la fleur, la rose. Même si à Paris, on dit la rose. C'est... Alexa, stop. Alexa, timer, 25 minutes. 25 minutes. À partir de très bien. Pardon, voilà. Et donc, poêle. Et en fait, c'est le contexte qui va permettre de déterminer, genre, si je cuis à la poêle, tu te doutes que je cuis pas tout nu. Enfin, je peux, mais bon, là, c'est pas sur Twitch. Donc, ouais, poêle, ça reste... Alors attends, du coup, qu'est-ce que t'as dit? Blablabla, le son a augmenté, les petites mains. C'est un compliment, pas réducteur, tes mains me font penser à celles des femmes cis, genre grandes mais fines. Ouais, j'ai des grandes mains, ouais. Ah, j'ai des grandes mains, mais alors pour le coup, j'ai des gros doigts aussi. Notamment quand j'achète des bagues, c'est compliqué de vraiment trouver des bagues. Là, j'en ai une seule bague qui est là. Et quand je l'ai achetée, je la voulais pour l'annulaire ou pour le majeur. Et en fait, soit c'était beaucoup trop grand, soit c'était trop petit, et il y avait très peu de bagues en fait qui pouvaient s'adapter à mes doigts, donc au final je l'ai acheté quand même, parce qu'elle était pas très chère, et que ça fait longtemps que je voulais une bague, et j'aime bien l'avoir au bout du doigt. Mais non, mais je sais, hein. Après j'ai pas de soucis avec ça. Ça pouvait être les poils du pinceau, mais j'ai pas réfléchi. Oui, les pinceaux ont forcément des poils. Bah après, oui, effectivement, enfin, à ma connaissance, oui. Après peut-être qu'il y a des pinceaux sans poils, du coup j'appelle pas ça des pinceaux. D'ailleurs, il faudra que je vous montre l'œuvre d'art que j'ai fait pendant mes vacances, qui n'est pas encore chez moi, mais que je vais ramener dans pas longtemps. Parce que j'ai fait de la peinture, d'ailleurs, et ça, c'est prévu, d'ailleurs, peut-être de faire un jour, à l'occasion, un stream peinture. J'attends de régler mon problème de punaise de lit, qui me casse les couilles depuis bientôt un mois, et ça va faire deux quand ce sera terminé. Et déjà, faudra que je refasse le live avec des invités et tout pour la cuisine. La même pour les trois doigts du milieu, je fais du 62. Je sais même pas ce que c'est. Je sais qu'il y a des chiffres, mais je sais pas. Pour une femme, oui, voilà. C'est chaud à trouver. Ouais, bah ok. C'est encore d'actu. Alors, c'est toujours d'actu. Les punaises, oui. Les punaises, j'ai fait le deuxième traitement dimanche. Alors, pour info, vous le saurez. Mais en fait, quand vous vous faites traiter contre les punaises de lit, il y a deux passages. Alors, ça m'est déjà arrivé pendant le confinement, parce qu'un voisin avait des punaises et m'en a refilé, et en a refilé à tout l'étage. Quand vous vous faites traiter, en fait, on traite votre appartement, donc vous n'êtes pas dans l'appart pendant 4 à 6 heures. Alors, si vous avez des animaux de compagnie, il ne faut pas qu'ils y soient, parce que sinon, ils décèdent, et c'est pas dingue. Donc là, ça va. Moi, j'ai quelqu'un qui habite à côté, qui a pu garder mes chats, et j'étais là et tout. Mais en fait, ouais, là, en gros, le process, c'est que la personne vient... 15 minutes, elle met du produit partout par terre, elle balance une grenade fumigène, j'emmène les chats ailleurs, du coup 4 heures après, moi je reviens, j'aère de manière à ce que le produit au sol sèche,
Ensuite, après avoir aéré, j'attends encore 3-4 heures, je rentre chez moi, je dors au maximum chez moi, de manière à attirer les punaises qui vont sortir de leur cachette et marcher dans le produit pour crever. Et pourquoi est-ce qu'ils reviennent au bout de 15 jours? Parce que quand une punaise fait un œuf, il éclot au bout, en moyenne, de 2 semaines. Donc même s'il a tué quasiment toutes les punaises, bah, avant le deuxième passage, tu dois nettoyer. Donc tu passes le balai et tu passes la serpillière surtout, très important. Ils remettent du produit partout. Et normalement, après, c'est bon. Et là, techniquement, le 20 mars, je reçois mon nouveau lit. Vers le 17-18, je vais essayer de faire venir un mec gratos de la même compagnie qui peut venir vérifier si il reste des punaises. Parce qu'elles ont en partie infesté mon parquet et ça, c'est chiant. Et après, normalement, je suis tranquille, je peux réinviter des gens chez moi sans souci, sans panique et tout. Mais je peux aller chez les gens sans que ce soit dangereux, du moment que je fais un minimum attention, c'est-à-dire que mes vêtements sont généralement stockés en hauteur, assez loin de là où il y avait la potentielle infestation. Quand je les mets, je vérifie les coutures. Quand j'arrive chez les gens, je revérifie l'intérieur et tout. S'il y a besoin, j'ai des vêtements de rechange. Enfin voilà, il y a tout un protocole, mais ouais. Comme tu dis, attends, je sais plus, donc dans une bijouterie... Alors attends, Coyote. Ils ont plusieurs anneaux sur des espèces de porte-clés, c'est pour déterminer ta taille de doigt quand tu demandes. Comme ça, dans une bijouterie, c'est directement ma taille. Oui, ça doit être, je sais pas, les millimètres. On me dit s'ils ont ou pas, s'il n'y a pas, je perds mon temps. Voilà. Et en plus, t'es allergique au chrome. Ah bah dis donc. Ouais, c'est pas de peau, ouais. Ouais, ça va. Je suis pas... À ma connaissance, j'ai pas d'allergie. Si ce n'est le pollen, mais il faut vraiment une sacrée quantité de pollen. Moi, je me contente d'avoir la peau sèche et le syndrome de Raynaud. Pour les mains, c'est déjà bien assez. Mais sinon, blague à part, tout à l'heure, il y a deux secondes, j'ai deux trucs à vous annoncer en vrai. J'en profite, vous êtes là, c'est la petite exclue. En vrai, il y a un truc que je voulais annoncer en mars et je vais l'annoncer fin du mois officiellement. Mais j'en profite pour vous le montrer. Déjà, il faut le savoir, du coup, comme je le disais, Sabine, l'interprète LSF que vous aviez vu l'année dernière, en février, pour le stream avec Yann Quentin, revient. Elle revient à la fin du mois, avec un nouvel invité. Mystère, on va pas balancer le nom de l'invité, mais voilà, elle revient. Elle revient, donc ça va être cool, pour un petit stream d'une heure, du coup, interprété en langue des signes française. Je suis assez content de continuer à faire ça. Même si ça aura pris un an, parce que, bah... Entre-temps, les autres invités sourds qui sont venus sur la chaîne n'avaient pas besoin d'interprète, donc ils étaient là, hein. Il y a eu voilà, Emmanuel Aboaf qui est venu nous parler de dev, de tech, d'être une femme sourde dans la tech et tout. Il y a eu Cochlear Life qui est venu aussi nous parler un petit peu aussi de sa position sur l'implant notamment, et de son histoire. Mais évidemment, et puis Mélanie, mais comme Mélanie, bah, on se connaît, on a l'habitude, Mélanie demande pas d'interprète parce que c'est, voilà, c'est des streams entre nous, c'est des trucs entre potes. C'est autre chose, c'est pas une interview. Et du coup, voilà quoi. Donc j'ai pas eu besoin d'avoir un interprète. Ou alors j'ai eu des réponses, mais c'était pour plus tard, machin et tout. Et voilà. Et il y aura aussi d'ailleurs d'autres invités, normalement en avril. Et pour le coup, pareil, j'ai pas embauché d'interprète, mais un interprète sera là quand même. Parce que les personnes que j'ai invitées ont leur propre interprète et se proposent de me le fournir. On va dire, voilà, de dire, bah, l'interprète est là pour nous et pour toi. Moi, je vous avoue, vu que Twitch me ramène pas spécialement d'argent, c'est-à-dire je fais pas de bénéfice avec Twitch, si on doit regarder entre l'argent dépensé et ce que je récupère là-dessus, moi, ça me va. Hein. Je me fais désensibiliser pour les graminées qui sont les plus violents. Allergopneumologue peut t'aider. Ouais, mais après, non, t'inquiète. Non, parce qu'en vrai, le pollen, moi, faut vraiment que... La seule fois où j'ai déclenché une vraie allergie au pollen, c'est quand j'ai travaillé dans les champs. Donc ça va. Mais donc voilà. Voilà pour l'info. Sabine, du coup, revient. Ce sera normalement le 27 mars. Je confirmerai tout ça un petit peu avant. Voilà, la semaine d'avant ou un truc comme ça. Mais je voulais vous montrer un autre truc. Ça, c'est un projet que j'ai depuis janvier, que du coup j'ai tenu secret. Oh là là, je vais juste bien m'arranger pour que vous puissiez avoir un bel aperçu. Mais c'est un projet que j'ai depuis janvier, en fait, qui me trottait un petit peu dans la tête, parce que j'aime bien faire des trucs sur Internet, et du coup, j'aime bien les partager. Hop là, on va aller là. Là, voilà. Zwing.
Et donc, j'ai un petit truc qui me trotte dans la tête, en lien avec la chaîne Twitch, en lien avec vous et tout. C'est parti, je fais la transition. Voilà. C'est mon projet actuel, c'est mon truc sur lequel je bosse un peu derrière. J'ai bossé derrière Twitch et derrière Twitter, machin, sans en parler. J'en ai parlé à 2-3 potes pour avoir des retours et tout, mais... Pourquoi j'ai bossé en arrière-plan sur ça depuis janvier? Alors, c'est façon de parler, parce que je m'y mets quand je peux, à peu près une fois par semaine. Parce que je voulais voir si je pouvais arriver à tenir le rythme de publication que je souhaitais, arriver à alimenter le contenu correctement, avant de l'annoncer et que ça fasse un flop au bout de 6 mois. Ce projet, qu'est-ce que c'est? Ce projet, c'est un blog cuisine, comme il en existe plein, je le sais. Mais c'est un blog cuisine, du coup, qui recense notamment les recettes que j'ai pu faire en stream. Avec, pour chaque recette, un lien vers la VOD, du coup, de quand on l'a fait. Alors, même s'il n'y en a pas beaucoup, en vrai, parce que j'ai oublié de les re-upload, mais ça viendra pour le futur. Avec, éventuellement, les posts Insta qui vont avec pour vous donner une idée du résultat. Avec, potentiellement aussi, et ça, c'est le truc le plus compliqué sur lequel je bosse, parce que ça demande pas mal de temps, et c'est un temps que j'ai pas forcément, donc... Je le fais vraiment quand je peux, des vidéos explicatives, donc des reels ou des TikTok, qui vous expliquent rapidement comment faire la recette pour essayer de vous donner envie. Je vous fais un petit tour d'horizon, je ne partage pas le lien pour l'instant. Bon, si vous le trouvez, vous le gardez pour vous, même si je pense que vous ne le trouverez pas vu que le site a 2 visiteurs, donc il est vraiment pas bien référencé. Mais en gros, vous voyez, voilà, vous avez ce petit site WordPress, hein, c'est un WordPress gratuit, hein. j'ai pas payé de nom de domaine et tout, on n'en est pas là, qui vous parle rapidement de moi et qui vous présente différentes recettes. Des recettes que j'ai d'ailleurs aussi, comme celle-là, hein, pas forcément faites en stream, voilà. Le Saint-Genis, alors, vous voyez, il y a encore des réglages à faire, là, on manque d'images, par exemple. Mais voilà, les fameux roulés à la cannelle, hein, qui est une de mes spécialités en termes de dessert aujourd'hui, parce que j'adore faire les roulés à la cannelle, et il faut que j'en refasse d'ailleurs. Je pense que ce week-end, je vais en refaire. Les beignets de pommes de terre au fromage que j'ai fait en stream. Une sauce tomate, pareil, pas faite en stream. Un grilled cheese végétarien, les gnocchis de carottes, ça les deux, on les a fait en stream. Et je crois que la dernière recette qui reste, c'est... Ah, il y en a deux, voilà, des tortillas végétariennes qu'on a déjà fait plusieurs fois en stream, et les potato mochi. Et l'idée, c'est que vous avez un site sur lequel vous pourrez aller en vous disant, Gecko, il a fait ça une fois. Mais alors, je le retrouve pas sur le Discord, je retrouve pas sur son Twitter, je retrouve pas sur son Insta ou quoi. Sans dire que vous êtes fan, juste vous avez vu une recette sur un de mes streams qui vous a plu. On est vraiment sur ça, qui est un peu une trace. Et bah voilà, Coyote qui se dit, mon Dieu, un jour, Gecko, il a fait un truc avec de la cannelle, mais je sais plus ce que c'est. Là, sur le site. Et tu devrais avoir la réponse. Actuellement, pour l'instant... Putain, vous avez le... Attends. Vous avez le... Attendez, vous avez le four, là, qui vibre... aussi dans le micro, ou c'est moi? Attendez, je vais juste tester. Bon, vous entendez du bling 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 bling, c'est normal, c'est le four. je vais peut-être le couper. C'est pas une machine à laver. Non, j'aimerais beaucoup avoir une machine à laver. Attendez, non, en vrai, je vais le couper, je le mettrai tout à l'heure. Ah, mais je sais pourquoi. Non, attendez, mais je vais le couper. Je vois, c'est qu'il y a un des joints qui est un peu mal fixé. Et du coup, qui vibre et qui fait chier. Pardon. On dirait que tu es en plein carnaval. Ouais, je le remettrai tout à l'heure, c'est pas très grave. Pardon. Donc ouais, admettons, voilà, Coyote se dit, putain, Gecko, il a fait un truc à la cannelle et tout. Hop, il va là-dessus. Alors, je suis en train encore d'essayer de comprendre comment on fait une barre de recherche sur le WordPress qui fonctionne. C'est vraiment encore en prototype, donc c'est aussi pour ça que je ne partage pas le lien tout de suite. Mais tu te dis, cannelle, ah oh, bah c'est des desserts. Je clique sur la catégorie dessert. Qu'est-ce qui se passe? J'ai, bon, là il manque l'image, mais voilà. Oh, les roulés à la cannelle. Et là, admettons, tu cliques, tu as ton article. Donc c'est vraiment un blog. Alors, les tailles des images sont ce qu'elles sont. Ça, c'est pas moi qui ai pris la photo. Hein. C'est des images qu'on peut utiliser librement du moment qu'on n'en fait pas d'utilisation commerciale. Ce qui, pour l'instant, est le cas, parce que je vends aucun produit, je vends pas mes recettes ou quoi.
je ne fais pas encore. Avec du coup les ingrédients, donc je teste des trucs encore sur les recettes, voilà, mais les ingrédients et les différentes étapes à faire avec éventuellement voilà, un petit conseil à la fin. Dame Germinis, pareil, un jour se dit, mais attends, Gecko, il a fait un truc rigolo avec des carottes. Carottes que d'ailleurs Nana avait trouvé très mignonne parce que j'avais pesé les carottes. On me rappelle encore de ce message dans le chat, c'est dire. On va aller sur les plats, ça doit être dans les plats les carottes. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh ! Alors désolé hein, pour l'image en mauvaise qualité. Parce que bah, du coup, ça vient de photos, c'était pas prévu que ce soit utilisé pour ça, mais c'est en attendant, et il y aura sûrement des évolutions même quand ce sera publié. Et là, bon, vous avez cette énorme photo un peu moche, des gnocchis de carottes avec... Attendez, comment ça, cette publication est supprimée, elle n'a pas été supprimée ? Ah bah non, elle n'a pas été supprimée, donc c'est juste le site qui déconne, voilà. Et donc normalement, t'as la publication Insta, paf, avec juste le résumé qui te dit qu'est-ce qu'on fait, blablabla, blablabla. Mais si t'as envie, paf, combien d'ingrédients il te faut, qu'est-ce qu'on fait, avec des petites vannes par-ci, par-là et tout, et voilà. Ou alors je crois que j'avais essayé notamment sur le Saint-Genis, si je ne dis pas de bêtises, d'avoir peut-être un petit tableau, donc après à voir hein, ce qui est le plus clair, bon alors là pareil, on voit que le lien il déconne, un petit tableau qui nous dit voilà, 30 minutes de cuisson, 15 minutes de préparation, combien de personnes, combien de temps il y a de repos, des trucs comme ça. Un quoi ? Un Saint-Genis. Alors pour te montrer à quoi ça ressemble, c'est un gâteau brioché à la praline. Voilà. Là, il y avait du sucre, d'ailleurs, par-dessus. Voilà. Oula. Merde. Attends, on va faire tac. Tac. Voilà. Pardon, excusez-moi. Praline rose. Ouais. En même temps, moi, je connais pas de praline pas rose, hein, par contre. Ou alors, tu penses au pralin, peut-être. Mais voilà, qui vous donne, du coup, bah, tous les ingrédients avec les petits points, et paf, toutes les étapes de la recette, donc... Faut encore que voilà, je révise un petit peu mon écriture et tout. Et vous aurez le cas aussi dans certains cas, et là c'est la partie où je vais essayer de m'y mettre un peu plus, des sauces. Donc là il y a une sauce aux oignons, alors c'est une sauce que j'ai déjà fait, que je referai très certainement, je ferai peut-être un stream spécial sauce, parce que j'ai quelques sauces intéressantes pour les pâtes, histoire de rendre vos pâtes plus goûtues, meilleures et tout, avec en vous faisant un petit stock de sauce, sans forcément que ça vous prenne non plus 20 ans. C'est-à-dire quand tu fais la sauce, tu fais assez de sauce pour 4 à 5 plats. Et ça, c'est cool. Donc celle-là, je l'ai faite 2-3 fois. Mais par exemple, la sauce tomate, admettons, et là, c'est un peu le projet, tu te dis, oh là là, il y a des belles tomates. Une publication Instagram et... Putain, j'ai pas mis le lien. Alors, attendez. Attendez. Hop, je vais masquer 2 secondes, le temps de retrouver. Quand j'habitais à Lyon, dans une boulangerie, le centre commercial Pardieu vendait je ne sais quelle pâtisserie, dans le nom, il y avait praline rose. C'est la praluline, certainement, si c'était à Lyon. Mais effectivement, beaucoup de gens disent praline rose de Lyon. Alors que, bah, de toute façon, la praline de base, c'est rose. Et ça vient de Lyon. Mais ouais, ça doit être de la praluline que tu avais. Alors, je peux vous montrer, parce que j'ai fait des crash tests. Si vous êtes abonné à mon Insta ou à mon TikTok, n'hésitez pas, suivez-moi sur les réseaux. Vous l'avez peut-être vu passer. Mais du coup, j'ai fait des petits tests pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. On aurait dit une tarte au flan avec des pralines roses dedans. Alors non, du coup, c'est de la tarte à la praline. Enfin, je pense. Ça ressemble énormément à une tarte à la praline. C'est un truc dont je suis moins fan, ça. La tarte à la praline. J'aime beaucoup, mais c'est vraiment que du sucre. Et donc, du coup, j'ai fait donc, des petits tests de TikTok. Alors, pour tester des formats, tester des trucs et tout. J'en ai un, notamment, ici, qui a très peu marché. Ce que je peux comprendre parce qu'il manque d'infos et tout. Alors on va juste mute tout ça. Et normalement on réaffiche. Voilà, c'est bien. Tac. Ouais. Alors j'ai ce TikTok que j'ai essayé sur le grilled cheese. C'est pas une tarte à la praline, c'est le jaune du flan. D'accord, eh ben, je connais pas alors. Ok. Ben, je connais pas, je sais pas si j'ai envie de tester du coup. Parce que j'aime pas le flan.
Mais voilà, bref, pour revenir là-dessus, voilà, l'idée c'est en fait que aussi donc les articles du blog et donc les VOD éventuellement qui y soient rattachés, si vous voulez revoir la VOD, vous rappeler ce qu'on a vécu, il n'y aura pas de montage pour l'instant. C'est pas prévu que je prenne les VOD, que je les monte de manière à vraiment avoir que la partie cuisine, parce que ce serait encore beaucoup trop de temps. Là, je veux me focus du coup sur donc TikTok et les reels éventuellement. Là, par exemple, j'ai fait un test de montage sur le grilled cheese. Et après, je vous montre la sauce tomate pour vous montrer à peu près les deux trucs que j'ai fait, en vrai, en termes de cuisine. Voilà, donc là on est sur un grilled cheese végétarien qui est fait du coup avec du fromage mais avec du bacon vegan. Et on a cette autre vidéo du coup qui a beaucoup mieux marché, donc je pense que je vais de base rester sur ce format-là si je dois refaire des vidéos. Donc faut vraiment que je me motive en fait à refaire des vidéos, à ressortir mon studio photo pour prendre en photo de la bouffe et tout. Donc ça demande quand même, vous imaginez pas hein, mais c'est con, mais juste pour faire 4 TikTok comme ça, plus les photos qui vont avec, c'est une demi-journée hein, de boulot. Voilà, de cuisine, de photos, de machin. Ça paraît con, mais voilà, c'est du boulot aussi. Donc c'est aussi pour ça que je pourrais pas être pertinent en permanence sur TikTok. Mais du coup, là, j'ai fait une version cheap, mais comme j'ai pu, de la sauce tomate. Donc je vous montre ça aussi, pareil. Faudra que je mette le lien du coup sur le site. Petite recette de sauce tomate, si jamais vous avez des tomates qui traînent au frigo et un oignon qui est en train de germer comme le mien. On commence par enlever les feuilles des tomates, évidemment. On vérifie qu'elles ne sont pas trop pourries, les miennes sont abîmées, mais ça va, c'est pas du pourri, donc on peut totalement les utiliser entièrement. Ensuite, on les découpe en morceaux assez grossiers. Il faut juste que le blender puisse en faire de la purée à la fin. Donc ça, c'est vraiment filmé au smartphone, monté au smartphone. Quand c'est fini, on envoie tout ça dans le mixeur. Là, c'est bien rempli. Puis on appuie sur le bouton, ça mixe et on doit atteindre à peu près cette texture, un joli jus bien liquide. Ensuite, je vais prendre mon oignon, j'enlève bien toute la peau, toutes les parties qui sont abîmées et qui ne sont pas forcément comestibles. Là, je le découpe pour faciliter l'enlevage de la peau, notamment. Puis, on en fait pareil des tout petits bouts qu'on va ensuite envoyer à nouveau dans notre mixeur. Et on remixe le tout. Pour parfumer le tout, moi, je rajoute une bonne grosse pincée de sel. Là, j'ai mis de l'origan. On met à peu près ce qu'on veut. Puis, on met tout ça dans un conteneur. Et voilà! Voilà. Petite recette. Et donc, idéalement, du coup, voilà. J'aimerais bien avoir ce blog qui a donc une version écrite, si vous voulez prendre le temps de reproduire la recette, de la refaire chez vous. On va revenir sur le blog 2 secondes, voilà. De refaire la recette chez vous, d'avoir le temps et tout gratuitement. Ah, pub! J'en suis désolé, Dame Germis. Alors, il donne des bites et en plus il a la pub, quoi. C'est quand même chiant, ça. Hein. Pareil, bon. Bah, ça doit être pareil, je pense, pour Dame Germis, parce que c'est des pubs de 30 secondes. Donc je pense qu'il revient à peu près en même temps. Mais comme je disais, voilà, en fait, l'idée, c'est qu'il y ait globalement 3 formats à chaque fois pour chaque recette. Idéalement, une version écrite, qui peut être aussi, du coup, normalement, alors j'ai pas testé, mais j'espère, voilà, lu en audio description pour les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran. J'avais dans l'idée de faire des versions audio de tout ça. Pour l'instant, j'ai pas lancé le projet, mais peut-être que je le ferai. Parce que je suis pas très fort là-dedans, mais je pense que je pourrais juste m'enregistrer, mettre ça sur SoundCloud et mettre le lien ensuite sur WordPress. La VOD du stream, si jamais vous êtes curieux et voilà, si vous voulez en savoir plus. Et du coup, une version Reel TikTok et tout, parce que ça marche bien. C'est pas mal en termes de pour être découvert aussi sur ces réseaux-là et pour ramener des gens, hein, on va pas se mentir, il y a aussi ce côté-là. Et
Et aussi, du coup, pour juste bah, la personne qui se dit... pour la personne, du coup, qui se dit « Ah, moi, j'ai juste envie d'avoir l'info vite fait en 30 secondes sur TikTok, et voilà. » Alors, je vois tomate, oignon dans une mini-liste, mais est-ce qu'il y a le nombre de quantités par personne ? Alors là, pour le coup, comme c'est une sauce, c'est là où, justement, après, j'hésite, mais je pense que je le préciserai. Par exemple, comme c'est une sauce, il n'y a pas vraiment de quantité. Alors, c'est sûr que si tu mets 5 oignons et une tomate, c'est plus une sauce à l'oignon, mais du coup, faut faire cuire tes oignons avant. Je pense qu'effectivement, moi, je pense rester à terme sur un mélange un truc assez proche plutôt. Alors, je reviens dessus. Assez proche de ce que j'ai tenté pour le Saint-Genis, qui est ça. C'est-à-dire qu'on a les quantités en bas et ça nous dit combien de temps ça prend à préparer. Pour que les gens aussi qui ont besoin de savoir combien de temps ça prend aient une idée. Parce que moi, quand je cuisine, je m'en fous de savoir si ça prend du temps. Maintenant, j'arrive à l'estimer et tout, et tu feuillettes la recette, et ça, moi, ça me va. Mais je sais qu'il y a des gens, ils peuvent se lancer dans une recette et se rendre compte au bout de 30 minutes qu'ils en ont pour encore une heure, et ça va leur casser les ovaires, les couilles, tout ce que tu veux. Voilà. Donc, je vais essayer de trouver le truc le plus compréhensible possible, le plus accessible possible, avec du coup ce mélange texte et vidéo pour les recettes. Voilà. Avec idéalement. Et ça, j'aimerais beaucoup le faire, mais du coup, je suis, voilà. Pour X tomates, il faut tant d'oignons. Ouais. Après, tu peux mettre, moi, je mets 2 oignons dans ma sauce pour genre 6 tomates, mais parce que j'aime bien le goût de l'oignon. Il y a des gens, ils vont pas mettre d'oignons. Enfin, ça, c'est, voilà. Ça, après, je vais essayer d'être précis et en même temps de pas être trop exhaustif parce que c'est chiant dans une recette, à mon sens. Voilà. Mais parce que c'est aussi une question de goût, hein. Ouais. Ce que je voulais dire, oui, voilà, l'idée ce serait que en fin d'année, enfin fin d'année, début d'année prochaine plutôt, toutes les recettes que vous avez là, excusez-moi, toutes les recettes que vous avez là, soient disponibles en e-book. Donc vous ayez un e-book, Alexa, stop, que vous ayez un e-book à prix libre. Donc vous pourrez le télécharger gratuitement si vous voulez me soutenir pour le travail que j'ai fait là-dessus. Vous pourrez donner. Et Utip permet de faire ça, je crois, à partir de 1 €. Donc voilà. Mais vous aurez un e-book de recettes que vous pourrez télécharger sur votre téléphone. J'ai une liseuse, ça marche les e-books. Alors je n'ai pas de liseuse pour tester, donc je pense que quand je le testerai, je regarderai. Normalement, oui, c'est un PDF en fait. Ce sera un PDF au final. Quand je dis e-book, voilà, vous aurez un gros fichier PDF avec du coup les recettes et. Si j'y arrive, ça c'est le projet, il faut encore que je teste, mais voilà, des QR codes où vous pourrez flasher chaque recette qui vous emmènera vers le TikTok ou le Reel correspondant, ou éventuellement, si c'est fait, la version audio correspondante, ou du coup, bah, juste à l'audio, je décrirai ce qu'on fait dans la recette. Et je fournirai les infos. L'idée, c'est qu'en fait, à la fin, on ait un truc qui soit accessible pour les personnes qui puissent lire, pour les personnes qui ont juste besoin de voir une recette et d'avoir des sous-titres pour leur donner des infos, et pour les personnes qui pourront fonctionner que par l'audio, parce que j'ai aucune idée de comment fonctionnent les lecteurs d'écran, et même quand je les teste, je ne sais pas comment ça marche. Donc, j'ai pas un résultat qui est très probant non plus. Mais voilà. Et ça, ce sera l'idée, du coup, voilà, où il y aura ça, et dans tous les cas, ce sera du prix libre, mais de base, gratuit. Donc, si personne a envie de payer, c'est pas grave, c'est aussi le principe, c'est que, bah, pour moi, vu le prix des livres de cuisine aujourd'hui, ça peut être pertinent de faire une espèce de petite compile sympa, gratos, de recettes de cuisine. Mais du coup, ce sera plus pour fin d'année 2023, début 2024. Il faut encore que je vois comment je mets tout ça en place, comment je l'édite, et tout. Voilà. Sur ce. Alors je pense que je vais pouvoir envoyer du coup je vais pouvoir envoyer mon truc au four. Alors désolé, attendez, on revient en mode facecam, excusez-moi, parce que là on s'en fout d'avoir la recette. Apparemment c'est 30 minutes. Laissez tiédir le pain. Ah oui, tiédir le pain, ok. Donc là, apparemment, faut juste que j'envoie mon pain au four pour 30 minutes. On va le mettre pour 35 minutes parce que le four il est moyen chaud. Alexa, timer, 35 minutes. 35 minutes à partir de maintenant. Et c'est parti, on envoie tout ça à 180. Voilà.
Enfin, je vous ai épargné du coup le fait de revenir sur la cam et tout, parce que pour ça, voilà. Donc bref, voilà. Voilà pour les infos, ouais. En fait, je voulais faire ça parce que j'avais un petit peu envie de sortir un truc cool de tous ces streams cuisine que je fais. Un truc qui puisse éventuellement vous faire plaisir aussi, à terme, même si l'essentiel, c'est pas qu'il y ait 50 personnes qui aiment, même s'il y en a qu'une, bah ça me suffit. Et que voilà, on garde un petit peu une trace autre que juste des VOD en ligne de ces streams-là. Et même pour moi, je pense que je serais content d'avoir de me dire j'ai fait un énorme PDF mais avec plein de recettes dedans et j'ai essayé à ma façon de rendre le monde de la cuisine un peu plus accessible. Voilà. Après c'est possible que voilà si un jour je fais des versions audio, bah peut-être que ouais je fasse un stream où juste j'enregistre l'audio des recettes, voilà, en plein stream pour les poster et tout. Le site idéalement, il devrait sortir de manière publique fin mars, début avril. Donc je balancerai le lien sur Discord, sur Twitter et tout. Et j'essaierai, autant que je peux, de mettre une recette par semaine. Voilà, j'ai pas rattrapé le retard sur tout ce que j'ai fait avant, mais idéalement c'est ça. Le truc cool, ce serait de faire un stream le lundi et genre que dans la semaine, paf, il y a la recette que j'ai donnée qui est mise sur le site. Parce que autant parfois, effectivement, je reprends des recettes qui sont existantes, des fois je les adapte. Il y a un truc aussi à savoir, c'est que les recettes de cuisine sont pas protégées de la même manière que le reste par le droit d'auteur. C'est-à-dire que si jamais je recopiais une recette entièrement, je n'ai qu'à citer l'auteur et j'ai tout à fait le droit de vendre un contenu, notamment de faire des streams, du moment que l'auteur original de la recette est cité. Alors ça veut pas dire que je vais pomper sur tout le monde, voilà, parce que généralement quand je fais des recettes de cuisine, je prends sur 2-3 sites différents et je fais mon petit mix, mais ça vous donne une idée. Le but étant évidemment de juste pas du tout en vivre, hein, juste de proposer ça, et bah si ça fait 10 balles, ça fait 10 balles, et puis bah tant mieux. On n'est absolument pas là pour bâtir un empire de la cuisine. Voilà. Bon là du coup pour l'instant j'ai donc le chocoupan qui est en train de cuire. Il y en a encore, j'ai mis 35 minutes, ce sera peut-être un peu plus, sachant qu'il faut encore qu'il refroidisse et tout. Donc bon. Hein. Je vais juste regarder. J'ai peut-être éventuellement. Attendez, si j'avais un compte Twitter qui était très rigolo, mais je sais pas si j'y suis encore abonné. Ou s'il existe encore. Si. Je regarde juste mes notifs Twitter là. Très bien. Le compte avec la bouffe chelou. Ouais, c'est à celui-là que je pensais, voilà. Ben, on va partir là-dessus pour s'occuper un petit peu et commenter. Moi je propose, hein, mais voilà. Je propose vous disposer. Alors attends, je vais juste mettre vraiment que le compte en visuel. Voilà. Je vous propose en attendant de profiter de ce magnifique compte qui est Fucked Up Looking Food, donc de la bouffe qui ressemble à Nawak. Ah putain, j'ai un autre truc qui vient de m'arriver en tête. Ah non, attendez, j'ai beaucoup mieux. J'ai des TikTok. J'ai des TikTok d'une personne que j'adore. Alors j'ai perdu son nom exactement. Mais c'est une meuf qui commente des recettes ultra rincées d'internet.
Voilà, c'est Tanara Double Chocolate. Tanara Double Chocolat. Attendez, on remet. Hop là. Et du coup, ce qu'elle fait, ça s'appelle, voilà, c'est Everybody is so creative. Donc genre, tout le monde est si créatif. Ou en gros, elle commande des recettes qui sont absolument baisées de la tête. Vraiment, j'ai pas de baiser des pattes. Je sais pas comment on le dit. Je sais pas comment on le dit sans être insultant. Mais voilà, en gros, en fait, elle commente des recettes. Et vraiment, il y a des trucs. C'est comme le compte avec la bouffe chelou, mais là, c'est en vidéo. Et c'est encore plus drôle. Parce que vraiment, il n'y a aucune recette qui n'a de sens, à part peut-être une ou deux, de temps en temps. Donc là, je vous propose qu'on commence avec ça. C'est le cheesy pasta dish. Donc l'idée, c'est qu'on ait des pâtes avec du fromage. Baiser des pâtes. Non, baiser et le participe passé. Non, pas comme le mec sur Twitter là qui a fait des trucs chelous, qui a essayé de... Vous avez peut-être pas suivi ça, mais je pense qu'Internet avait atteint son paroxysme à ce moment-là. Le jour où il y a un mec qui a mis son schlabading-dong dans différents types de pâtes pour savoir laquelle était la plus baisable. C'était un grand moment de Twitter, ça, d'ailleurs. Hein. Putain, je suis très content d'être passé à côté des vidéos. Et donc voilà, on démarre avec cette recette qui est... Je pense, en fait, faut vous dire que même vous, si vous cuisinez pas et que vous avez des repas pas zinzin certains soirs... voilà. Mais si, non, mais c'est parce que j'ai dit baiser de la tête. Baiser de la tête, du coup, là, baiser des pattes, parce que le mec, il a des pattes dans les mains. Pour ça. Alors. J'ai enlevé le son. Alors, des fois, il y a les sous-titres, des fois, il n'y a pas. You get some pasta and break it all up, put it in a dish, a pot there with some hot boiling water. All right, get your butter, your milk, and oh, not the powder puff cheese pack. Oh, they gonna slide down easy if it ain't cheesy. And more cheese. Donc là, on a quelqu'un qui a foutu des pâtes avec du cheddar ou un truc comme ça par-dessus, du cheddar industriel, qui prend du bacon, des tranches de bacon, qui va saler et poivrer. Ah, attendez, par contre, je vais aller dans le mélangeur son, là, parce que c'est absolument n'importe quoi. Absolument pas là où je voulais aller. Je veux juste baisser le son de Firefox, là. SVP, Windows 10, ah, voilà. Youp là. Donc là, on a du bacon avec du sel. On a du bacon avec de la farine frit ensuite. C'est-à-dire que personne fait ça. Et c'est ce qu'elle dit, hein, mais personne fait ça. Faut aller vérifier son cholestérol après. Ouais. Et ensuite, on fait de la poussière de bacon qu'on met sur notre espèce de gratin dégueu. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une des moins pires. Genre, ça a l'air potable d'avoir des pâtes. Alors, je sais même pas comment elles cuisent, d'ailleurs. Je pense qu'il les a cuites avant. Des pâtes cuites sur lesquelles on met du fromage. Puis, qu'on fait cuire au four. Et ensuite, on prend du bacon qu'on assaisonne avec 20 000 kilos de sel et de poivre. On met de la farine dessus. Pourquoi juste de la farine, d'ailleurs? Parce qu'il le fait frire. On ne frit pas uniquement avec de la farine. Pour faire de la friture, c'est farine, œuf et... farine, œuf et panure. Et généralement, on refait farine, œuf et panure pour avoir un bon stock de panure autour. Voilà, de bout de pain. Donc, voilà. Oui, ça donne envie de vomir. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah putain, celui-là, il est excellent. Excellent. Donc, des macaronis dans un truc à gratin, là. Là, ce qu'elle est en train de mettre, hein, ce que vous voyez, là, les petits trucs blancs, ce sont des gousses d'ail. Alors, autant, bon, je trouve que l'ail, effectivement, il faut en mettre beaucoup pour que ça ait un minimum de goût. Moi, je suis vraiment de la team, l'ail, c'est bon, mais ça relève pas tant que ça un plat. Parce que c'est très très faible en termes de goût. Là, on est quand même sur une bonne quantité. Une très bonne quantité d'ail. Hein. Généralement, en moyenne, tu mets deux gousses d'ail. Allez, trois si tu te sens un petit peu festif sur un plat comme ça. Hein, ça, c'est du 6 personnes, quoi. 8, voilà. Mais...
Donc un sachet de gousses d'ail. De la soupe. Donc bah, là, la personne met de la soupe. Mon guess, pour moi, elle met la soupe parce que dans la soupe, généralement, il peut y avoir un peu d'eau. Soit c'est de l'eau qu'on a mis, soit c'est de l'eau qui provient des fruits et légumes qu'on a mixés. Donc comme la courgette, la tomate, qui est aussi bah, qui est un fruit qui comporte énormément d'eau, qui peut potentiellement cuire les pâtes. Parce que vu la gueule du plat, ça passe au four, ça. Hein. Sauf que, fun fact, si vous faites par exemple un gratin de pâtes, il faut cuire vos pâtes avant. Si vous le faites pas, vous allez avoir des pâtes très croustillantes. Un peu trop même, d'ailleurs, pour des pâtes. Alors, là ensuite c'est des lardons. Voilà. On balance des lardons par dessus. On mélange même pas, hein. Et on fait bouffer au chien et on remet les mains dedans. Alors pareil, j'adore les animaux, hein. Moi j'adore mes chattes, je leur donne à manger et tout. Par contre, si je leur donne à manger, elles ont léché je sais pas quoi avec leur langue, notamment leur trou de balle. Je me lave les mains. Tu mets du gel hydroalcoolique, tu vois, tu fais le minimum. Mais tu. Voilà. Mais là, faut vous dire qu'on a de base des pâtes, de la soupe à la tomate, je suppose, 1 kg d'ail et des lardons, mais qui ne sont pas mélangés. C'est juste étalé dessus. Donc là, les pâtes, elles vont jamais, jamais cuire. Genre, les pâtes que vous avez là, celle-là, elle est morte. Ah, celle-là, c'est un soldat isolé. Hein. Ensuite, on prend des champignons. Pour l'instant, on ouvre. Et donc pareil, putain mais là elle sort les champignons. Alors vraiment déjà, bon, en général les légumes on les lave même s'ils viennent de trucs en sachet. Parce qu'ils sont probablement pas bien lavés, mais surtout un champignon dont tu peux manger le pied ça se mange, hein, mais ça se cuit avant. Et ça se passe pas juste au four comme ça, un pied de champignon. C'est pas... voilà. Donc là, elle fout juste des champignons sur le truc. Des champignons pleins de terre, hein, bien sûr. Parce que ça pousse dans la terre, les champignons. Et on met du fromage, évidemment. If it ain't cheesy. Et donc là, on prend de l'eau. Bisous, Nana. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup d'être passé. Allez, vas-y. On fait boire l'eau au chien et... Ça va pas cuire. C'est pas parce que tu mets de l'eau. Surtout deux pintes. On est sur un litre d'eau. Ça va pas cuire toutes tes pâtes. Ça va clairement pas cuire toutes tes pâtes. Allez, on met du poivre. Pareil, elle met du poivre dessus. Donc genre le dessus va vaguement avoir un petit goût. Le fond. Et même le fromage, on fait des couches. C'est pour ça qu'on fait, quand on fait un gratin, on met genre des patates, un peu de fromage, un peu de béchamel. On remet, enfin... On fait des couches et c'est pas pour rien en fait. C'est pour que tout soit à peu près équivalent et tout cuise à peu près pareil. Si dans mon gratin je mets juste plein de patates, puis toute la sauce, puis le fromage, ce qui va se passer c'est que je vais avoir un fromage gratiné, une sauce bah, qui se mange crue de base mais qui peut se manger cuite, bah, si c'est une béchamel du coup c'est déjà cuit, et des patates qui n'auront absolument pas cuit. C'est d'où l'intérêt par exemple de la béchamel. Mais c'est pareil pour tous les gratins, là on est sur un modèle de gratin. Comment dire ? Innovant. Voilà. C'est innovant, c'est le mot. Surtout qu'elle a juste mis du poivre. Voilà. Elle se fout de sa gueule, genre, elle a mis du poivre. Bah non. Excusez-moi. Ah,
Donc là, voilà, tu balances ça, on ne sait pas en plus la température. Il n'y a aucune info dans la recette. Hein. Là. Quelle température, combien de temps? Et ça ressemble à la même chose! Oh putain, mais c'est... Et là, vraiment, je sais pas à quel point, je sais pas comment elle a fait pour avoir des pâtes qui se découpent à peu près au okay, hein. Ça n'a aucun sens de juste couper les champis comme ça. Voilà, ça s'arrête là, pour le coup, parce que donc elle reprend des vidéos qui s'arrêtent quand elle s'arrête. Ça n'a aucun sens de couper les champignons maintenant, fallait les couper avant si tu voulais vraiment qu'ils cuisent bien à l'intérieur et tout. Voilà. Oui, voilà, ça se coupe avant. Bah, en fait, à la limite, tu vois, je sais pas, elle aurait tout découpé et tu coupes à travers le champignon. Oui, bon, bah, c'est normal, tu te fais une part, machin. Mais effectivement, là, elle a mis des champignons terreux. Voilà. Coucou le chat, comment ça, coucou le chat? Il y a ma... T'as vu passer... Il y a une de mes chattes qui est passée? Miaou. Ah oui, non, pardon, on la voit, effectivement, on voit Lily qui est là-bas. Voilà, n'hésitez pas hein, d'ailleurs, vous avez, si jamais à un moment ça vous pète, vous pouvez par exemple sub à la chaîne pour avoir cette magnifique émote du chat, de la petite Lily. Ali. Il y a Chi qui est vraiment juste à côté, alors je me permets de vous montrer, je fais le truc, voilà, j'ai vraiment... Attendez, ouais, vous voyez le bordel? Elle est là, voilà, là. Elle est cachée par le micro, attendez, paf, voilà. Vous avez elle qui me regarde hein, depuis que j'ai commencé le stream. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit de venir sur mes genoux quand je stream. C'est un bordel organisé. Alors là, oui, vraiment, là, c'est mon bureau. Sans compter l'arrière avec tout ce qui traîne par terre et, ou sur la table. Parce que j'ai... Bah, toujours pas de lit et que c'est un bordel. Je vous montrerai pas l'arrière de mon appart. C'est spacieux, ceci dit. Mais ouais, j'ai Chichi, ma petite Chi, qui me regarde depuis tout à l'heure parce qu'elle adore les câlins et elle sait que si elle est là, elle aura des câlins. C'est ce qu'elle a en ce moment. Mais elle sait qu'elle elle peut pas venir quand je fais les streams et que j'ai le câble parce qu'il y a le câble de. Voilà. La baignoire est confortable. Putain, alors le jour où j'ai une baignoire à Paris. Je pense que vous pouvez dire que je suis un bourgeois. À 200%. Ah, par contre, je commence à avoir faim, c'est horrible. Attendez, il reste combien de temps sur le timer, là? 16 minutes. Putain, j'espère que ce sera cuit, parce que j'ai vraiment une dalle des enfers. Après, j'ai des pâtes, hein, c'est juste que mon frigo est vide. Il faut que je fasse des courses. Allez, je vous propose une autre vidéo, qu'on rigole un petit peu, là. Oh putain, il est incroyable. Donc, de la viande hachée. Donc là, c'est de la viande hachée au milieu de tacos. J'ai la dalle. Ah non, mais moi aussi. En fait, je fume, mais là, je sens que... Tu sais, ma gorge, elle est là, genre, non, non. C'est pas de la fumée qu'il me faut. C'est de la nourriture. C'est de la nourriture consistante et tout, et c'est pour ça que j'attends notamment le choucoupane et que j'espère que je l'ai réussi. Sinon, tant pis, j'irai sur Uber Eats. Hein. Après le stream. Mais bref, du coup, donc sur cette recette, on démarre avec de la viande hachée, bon, qui s'achète aux States apparemment comme ça, au milieu donc de tacos, enfin de galettes de blé. Exactement. Allez, un bloc de cheddar. Ça c'est horrible. On a un bloc de cheddar dans un coin. Parce que pourquoi pas hein, pourquoi se faire chier à découper son fromage? Voilà. Pareil pour la sauce tomate, on la met que d'un côté. C'est bon, ça va s'étaler. Et alors je sais pas trop ce que c'est, mais je crois que c'est de la viande plus ou moins par là. Mais on m'avait expliqué, mais voilà. Et du fromage en conserve. Voilà. Et de la sauce en poudre pour taco, parce que pourquoi pas. Ah oui, on met du maïs aussi.
Voilà. Put more taco seasoning. That way it'll be seasoned all the way through. Add your corn. You have to add your corn and add some cheese. Et évidemment, 5 kilos de fromage. Mais vraiment, tout... ah oui, alors elle, évidemment, elle fout ses points dans tout ça pour étaler, c'est dégueulasse. C'est pas du tout comme ça qu'on devrait mélanger les choses. Et on met le cheddar au milieu. Vraiment, je sais même pas pourquoi elle prend la brique de cheddar pour la remettre au milieu alors qu'elle aurait pu le faire de base. On remet un truc par-dessus. Ah oui, et putain, alors on remet des tortillas chips. On écrase des tortillas chips qu'on va vaporiser par-dessus la recette. Après cette recette, on peut arrêter, mais parce qu'elle est un peu longue. Mais voilà, on dirait des espèces, comme elle dit, de lasagne, mais c'est pas des lasagnes. Et on replie tout ça. Et là, de base, même si on le cuit, c'est un problème parce que les galettes comme ça, les galettes de blé, tortilla et tout, quand on les cuit, elles deviennent dures. C'est ce qui sert, entre autres, dans certains cas, à faire des tacos ou des tacos, du coup. Donc on les replie un petit peu et quand elles sont cuites, on a un beau taco qu'on peut garnir au milieu et qu'on mange. Là, c'est juste comme si on avait mis du pain dur, quoi. Pas bon, c'est pas bon. Et c'est pareil. C'est juste super rude. Enfin, c'est dur, quoi. C'est du... Évidemment, bah, au milieu, on a un bloc de cheddar. Je m'imagine même pas tenter de cuisiner ça par curiosité. Voilà. Zou, je suis content, la transition elle passe bien. J'espère vraiment que vous appréciez cette transition PowerPoint que j'ai fait moi-même. Et donc on se fait pas chier à faire nos propres overlays. C'est bon, Coyote, du coup, j'ai enlevé les TikTok et tout. Dame Germis, si le terme crime culinaire avait une vidéo dans l'encyclopédie, ouais. Mais alors, vraiment, si vous comprenez l'anglais, alors c'est vrai que là, je suis sur web, donc on n'a pas les sous-titres pour le coup, mais c'est vrai qu'on les a sur l'appli TikTok. Donc si vous avez TikTok, Tamara Double Chocolate, vraiment, moi j'adore Everybody's So Creative, c'est ma passion. Et c'est devenu une espèce de mème, hein. Il y a vraiment des gens aussi qui font des fausses vidéos ou genre... je m'apprêtais à cuisiner et puis t'as une voix en fond avec l'écho qui te dit juste « Everybody's so creative » et la personne qui genre panique et serre les ingrédients contre elle. Et je pourrais pas la retrouver comme ça, je l'avais enregistré mais il y a longtemps. C'est voilà. Ça honnêtement, les vidéos que vous avez là, c'est moi quand j'ai eu mon premier appart et que je mangeais des patates et des pâtes et des pizzas surgelées. C'est horrible. Je peux vous donner ma recette. J'avais deux recettes à l'époque qui me, entre guillemets, me permettaient de tenir. Ah, je suis désolé, je rote là. J'ai vraiment pas mangé depuis midi presque. J'ai une dalle monstrueuse. Mais je pense que je vais commander à manger après. Tu rotes, tu pètes, rien ne t'arrête. Et je pète, je rote, rien ne me stoppe. Alors heureusement, j'avais déjà mangé parce que c'est un coup à couper l'appétit. Ouais, tous les trucs gras, phoque et la viande s'affichent un début de haut le cœur. Ouais,
Alors attendez, vraiment, mes recettes, je peux vous donner ça pendant que ça, pendant que ça continue à cuire. Je peux vous donner ça maintenant parce que, en vrai, aujourd'hui, j'en rigole, même si j'ai conscience que j'avais une hygiène alimentaire pas zinzin. En gros, quand j'ai eu mon premier appart, donc c'était dans le sud, donc j'étais au SMIC, donc j'avais pas beaucoup de sous, mais bon, bah c'est le sud, donc c'est-à-dire que pour 300 balles, t'as 35 mètres carrés avec la machine à laver et tout, machin, donc t'es sur un appart quand même bien, même quand t'es tout seul. D'ailleurs, fun fact, mon premier appart avait le sol qui penchait. Donc dès qu'il y avait un truc sphérique, ça roulait. Voilà. Sous la commode. Quand j'ai déménagé, j'avais plein d'objets sous ma commode. Et bref, c'était une époque où, bah, jouons là, je cuisinais pas, mais à quoi bon cuisiner? On fait des pâtes et ça suffit. Alors, en vrai, faire des pâtes, c'est cuisiner, mais vous avez l'idée. Et donc, mon alimentation reposait principalement sur des pizzas surgelées, parce que j'avais un four, et donc voilà. Je réchauffais des. Vous savez, j'avais un four électrique et je mettais des petites pizzas là-dedans de Carrefour à. À l'époque c'était 2 euros, maintenant c'est 2-3 euros. Mais des petites pizzas ovales là que je mettais dedans et que je mangeais. Ou alors je prenais des patates que j'épluchais à l'arrache et que je mettais de l'huile dessus, je les mettais au four et voilà. Mais j'avais deux plats vraiment mes deux plats de la dèche de quand j'étais en fin de mois. Et que vraiment. Ma thune n'était que pour les pâtes. Et donc, c'était des plats à base de pâtes. Le premier, c'était le classique, qu'on a peut-être tous et toutes connu étant étudiant. Je sais pas si c'est. Attendez, je vais remettre la musique d'ailleurs en fond. Si c'est un truc qui se fait encore aujourd'hui, mais c'était les pâtes au Nutella. Parce qu'il faut savoir que les pâtes, bah, globalement, c'est de la pâte. Hein, c'est des œufs, de la farine et de l'eau. Voilà. Ça, c'est une pâte. Et c'est pour ça que les pâtes, on les appelle des pâtes, parce que c'est de la pâte. Voilà. Et après, il y a des variantes, effectivement, avec la pâte brisée, la pâte feuilletée, la pâte à pizza. Voilà. Qui sont des trucs. Et en fait, la pâte au Nutella, en vrai, c'est juste une pâte neutre, parce que la pâte de base n'est pas salée. Avec, enfin, ou très peu, voilà. Et on met du Nutella dedans. C'est comme une crêpe au Nutella, c'est juste que comme c'est des pâtes plus du Nutella, clairement, ça te cale pour la journée. Alors, en termes d'apport calorique, c'est un enfer. En termes d'équilibre alimentaire, évidemment, on a zéro protéine, on a zéro légumes. C'est pas dingue. Voilà. Faut pas se nourrir que de ça. Mais je me faisais des pâtes au Nutella, ouais. Si à l'occasion, vraiment, vous voulez juste tester, vous vous faites cuire des pâtes dans de l'eau non salée, idéalement. Et vous mettez du Nutella par-dessus et vous mangez. Et en fait, c'est bon, parce que c'est de la pâte avec du Nutella. Voilà. Attends, qu'est-ce que tu nous dis, Coyote, avant que je donne ma deuxième recette des enfers. Cuisiner seul m'intéresse pas. Et genre, j'ai un ami qui est dans ma ville et une coloc. Dans une coloc où une personne pourrait bien se barrer. Et je pourrais prendre sa place. On m'a dit que quand quelqu'un cuisine, il y a souvent quelqu'un pour aider et tout. Oui, alors moi j'avais que j'aime bien cuisiner quand même pour moi-même, mais je préfère effectivement cuisiner pour les autres. Je préfère cuisiner pour les autres. Je sais pas si je suis végétarienne ou végétalienne. Après, végétalienne, c'est aussi, hein, je l'avais déjà dit, mais c'est pas seulement un choix éthique, hein, c'est un choix financier. Hein. D'être végétalien, c'est compliqué d'être végétalien quand t'as pas masse thune. Mais je peux revenir dessus juste après. Juste avant de vous donner ma recette de la dèche, ma deuxième recette de la dèche, c'était les pâtes aux chips. Et c'est probablement exactement ce que vous pensez. C'est-à-dire que je cuisais des pâtes. Voilà, tu mets des pâtes, ça cuit, c'est bon. Et par-dessus les pâtes, j'émiettais des chips. Pourquoi ? Parce que ben, 1 kg de pâtes, ça me coûtait moins d'un euro. Et un sachet de chips, ça me coûtait genre 30 centimes. Ce qui faisait que pour, on va dire, 1,50€, soyons très larges, mais pour 1,50€, j'avais un repas. Et le sachet de chips me faisait deux repas. Et le sachet de pâtes me faisait à peu près deux repas aussi. Donc pour 1,50€, en vrai, j'avais deux repas. Ce qui est un scandale, parce que la chips, en plus sur de la pâte chaude et tout, ça devient mou, c'est pas bon, ça colle et tout, et vraiment, enfin... Alors après, voilà, sans jugement sur les personnes qui n'ont pas de revenus et qui mangent ce qu'elles peuvent et ce qu'elles veulent et tout, parce que c'était en un sens un peu mon cas aussi.
Mais vraiment, quand je regarde qu'aujourd'hui, en vrai, on peut cuisiner rapidement, en moins de 30 minutes, des trucs bien meilleurs pour un budget similaire et qui nourrissent plus longtemps ou plus de personnes. Je repense à moi, tu sais, j'ai envie de le choper, tu vois, le moi de qui avait 23, 24 ans, de lui dire, hey, franchement, gars, fais un gratin, fais un effort, tu vois, genre, fais juste un gratin. Parce que j'avais la capacité, hein, de le faire, juste je le faisais pas, tu vois, ça me faisait chier. Voilà. Alors, mes gratins, n'en parlons pas, hein. Mes gratins, c'était des patates vaguement découpées avec de la crème fraîche, hein, dessus et du fromage, ce qui est pas un gratin. Ça se mange, hein. C'est de la patate marinée dans de la crème fraîche, mais c'est pas un gratin. Mais voilà, c'était une de mes recettes de la loose. Et je pense que celle où j'ai atteint le pire stade, et aujourd'hui je regrette parce que vraiment ça m'a coûté très cher, c'est que j'achetais des pizzas surgelées. J'achetais à côté des champignons et du fromage, par exemple. Et je préparais les champignons que je mettais sur la pizza surgelée, que je recouvrais de fromage et que je mettais au four. Et ça, bah, autant te faire une pizza toi-même, ça te revient moins cher en fait. Et ça te prend autant de temps. Je dois vous laisser, Morphée m'appelle. Bah, bonne nuit à toi en tout cas, Dame Germis. Bonne nuit, merci beaucoup d'être passé, merci encore pour les beats, pour le soutien et tout. Bonne soirée à toi. Alors attends, je vais te relire, hein, quoi, attends, du coup. En plus, donc, ah oui, tu disais, alors je ne sais pas, moi je mange végétarien si la personne mange vegan ou quoi. Alors oui, moi je trouve ça bien de suivre les régimes des autres idéalement, hein, enfin voilà, comme si moi si je suis avec quelqu'un qui mange pas de porc, bah je. Enfin, de base j'en mange pas, mais quand je mangeais de la viande, bah tu manges pas de porc, je mange pas de porc, en penchant une pendule, hein, si vraiment j'ai envie d'avoir de la viande, il y a des lardons de poulet, il y a des blancs de poulet, enfin, il y a à peu près tout avec du poulet et de la dinde. Ou du bœuf, d'ailleurs. Mais comme je disais, en vrai, manger végétalien, pour moi, ça reste quand même un petit peu un truc de quand t'as de la thune, c'est un peu un truc de privilégié. Je m'explique. De base, la plupart des ingrédients pour une cuisine végétalienne équilibrée, donc qui te donne un apport avec protéines, féculents, légumes ou fruits, qui est un peu le classique, c'est plutôt faisable dans la plupart des grandes villes. Le problème, c'est que. Ok, ouais, j'ai lu. Oui, non, 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 on mangera omni, j'ai pas envie de les forcer. Non, bien sûr. Ah, mais après, moi, quand je sais que quand je cuisine végétarien. Maintenant, si les gens ils veulent pas bouffer ma cuisine, ils bouffent pas. S'ils veulent bouffer, ils bouffent. Mais voilà. Toute ma cuisine est végétarienne, de base. Et en fait, souvent, les gens, ils s'en foutent parce qu'ils savent même pas. Quand je fais un Saint-Genis, en soi, c'est végétarien. Enfin, il y a des œufs, mais pour moi, les œufs, ça rentre dans le végétarianisme. Et pas dans le végétalisme, du coup. Parce que c'est chiant de les remplacer, pour moi, et. Même si la courgette fonctionne. Mais bref. Excuse-moi. En fait, le truc, c'est que bah, pour remplacer la viande, les protéines végétales existent. Il n'y a pas de souci. Moi, je conteste absolument pas ça. Et je suis plutôt d'ailleurs en faveur du régime végétarien, voire vegan aussi. Mais déjà, quand tu es à Paris, c'est chaud de trouver du végétarien à un prix qui est équivalent à la viande. Donc moi je compense. Alors il y a une marque que j'aime bien, c'est La Vie, hein, qui fait le bacon vegan et les lardons vegan, qui sont de manière générale à des prix similaires au bacon classique, donc au bacon de porc et au lardon bah, de porc ou de poulet. Donc eux, why not? Mais. Bah déjà, faut aimer le bacon ou faut aimer les lardons. Et le reste, bah, si t'as envie de te faire une petite saucisse, si t'as envie de te faire des nuggets, si t'as envie de te faire du poisson pané et tout, et bah en fait, si tu veux vraiment, si t'en trouves pas et que tu veux le faire toi-même, mais c'est une purge et ça te demande à la fois des compétences en cuisine, parce que la viande notamment, on peut faire de la viande hachée avec certains types de champignons, on peut faire un simili de viande hachée à un prix équivalent, sauf que faut trouver le champignon et faut avoir envie de le cuisiner. Et sinon, bah, quand t'as pas tout ça, bah, tu risques d'avoir des carences. En protéines, du coup, notamment. Parce que t'es dans un endroit où t'as pas accès. T'as pas accès à ces produits. Ou alors juste, t'as pas la thune pour ces produits. Parce que moi, j'ai la thune parce que j'ai cette chance-là de. Je suis dans les précaires, mais un peu au-dessus des précaires, dans le sens où je gagne plus que le SMIC. Je suis
pas trop trop à plaindre, j'arrive à mettre de côté tous les mois et je fais attention comme je peux et tout. Ça passe. Voilà. Alexa, stop. Mais ça reste très tendu. C'est-à-dire qu'en fin de mois, en général, des fois, j'aimerais bien redevenir carni, quoi. Carniste. Chez moi, il y a Violife. Oui, Violife, j'en ai aussi, effectivement, dans le coin. Pour le fromage, coco, et en plus, il y a de la B12. Mais pour la majorité du VG, c'est la vie. Ou un truc bio, machin. Alors, la vie, normalement, c'est pas cher, mais c'est possible que les magasins qu'ils vendent se fassent une belle marge dessus. Moi, je sais que la vie, par exemple, au magasin, enfin, au resto, qui est aussi un magasin vegan, aujourd'hui, demain, tu peux trouver leur lardon à 5€, alors qu'ils sont vendus à 3€ partout. Donc, voilà. L'eau vive. Alors, je connais pas l'eau vive. Par contre, ceci étant, je me permets un petit break. Alors, je mets pas la pause, mais je vais juste vérifier où en est là le pain. Eh ben, je pense qu'on est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le pain. Alors, par contre, en vrai, il n'a pas la forme que j'attendais, mais je sais pas si on peut le voir bien là. Ah, je trouve qu'il rend très très bien. Donc, on va le laisser par contre refroidir. Je vais faire pipi vite fait et je reviens. En deux secondes. Me revoilà. Hop là. Je vais juste laisser le four ouvert, donc j'espère que ça fait pas trop de bruit. Il y en a deux en IDF. Alors attends. Je vais reprendre juste les messages. Il y en a deux en IDF. Bonneuil Saint-Marne. Chaîne de magasin. Ah oui, d'accord, c'est une chaîne de magasins. Ok. Ouais, alors après, moi, j'avoue que le bio, j'y fais plus gaffe parce que pour ce que ça vaut, ça n'empêche pas qu'il y a les pesticides. Notamment sur les produits et tout, donc autant consommer au final, peu importe, le bio, ça reste un label qui est quand même très très surfait à mon sens. Donc moi, je suis pas forcément dedans, mais voilà, tout ça pour dire que effectivement le côté végétaliste ou vegan, c'est quand même un truc qui demande de la thune, même quand t'es dans une ville où c'est plutôt facile, on va dire, d'être végétarien, vegan. Ça reste quand même un minimum de privilèges, et ça reste aussi, comme pour la cuisine, des gens qui peuvent faire la cuisine, c'est-à-dire qui ont le temps, mais qui ont aussi les capacités, parce que, bah, on le sait, la cuisine, c'est pas forcément accessible aux personnes handi, notamment, quelles qu'en soient les raisons, que ce soit des blocages au niveau du physique ou mental. C'est pas dingo, donc effectivement, le régime carniste, souvent, en tout cas actuellement, voilà, est plus simple. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça évolue, parce que la plupart des produits vegan commencent à être mis en rayon avec des produits animaux, c'est-à-dire que les lardons, la vie, par exemple, tu peux les trouver à côté des lardons standards. Et c'est pas dans un rayon spécial vegan, parce que c'est des lardons, en fait. C'est des lardons, on s'en fout que ce soit fait à base de plantes. C'est le lardon de base, c'est un lardon. Si c'est fait avec du soja, bah c'est fait avec du soja, qu'est-ce qu'on s'en branle. Si ton bacon il n'est pas à base de porc, mais tant mieux, j'ai envie de dire, mais on s'en branle, voilà. Voilà, voilà. Écoute, je propose de terminer le stream, je vais juste me découper un petit bout de chocoupane. Attendre qu'il refroidisse bien dans l'assiette et tout.
et goûter ça. Et vraiment, j'espère que je l'ai réussi, parce que sinon, là, j'ai une belle brioche à jeter à la poubelle. Voilà. Mais en vrai, quand tu parles de bio aussi, ça me fait un peu penser aux cités, aux gens qui vendent, qui survendent, à mon sens, le circuit court. Parce que le circuit court, bah, en soi, bon, ça a du bon, parce que, bah, notamment, quand moi j'achète mes fruits et mes légumes, ils viennent de circuit court. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de taxes que je ne paye pas. Je ne paye pas le transport, notamment. Et ça me fait très plaisir, ça. Ok, ça a l'air bon. Donc ça, je suis très content. Mais le circuit court, ça vaut ce que ça vaut dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, par exemple, pour la viande, quand on parle, tu vois, du fait de... Bah oui, mais moi, je consomme quand même local. Ok, super. La viande locale, au final, le problème de la viande, c'est pas du tout qu'elle soit locale ou pas. C'est ce qu'elle va... Plus, c'est plutôt ce qu'elle va émettre en termes de CO2, d'énergie carbone, de trucs comme ça. Ah, c'est cuit tout juste. Merde. Oh putain. Bon, ok, on va le laisser... Je vais le remettre au four pour 5 minutes. Hein. Le fond n'est pas vraiment cuit. Donc je vais le laisser cuire encore un tout petit peu. Alexa, timer, 7 minutes. 7 minutes à partir de maintenant. Mais ouais, en fait, le circuit court, ce qui est chiant, c'est que, bah, en fait, c'est bien à la fois parce que tu soutiens des gens qui font de l'agriculture locale et tout, machin. Par contre, dès que tu commences à taper dans la viande, et puis t'as aussi bah, des fermes qui vont, par exemple, faire des bananes en France. En France, on n'a pas de bananes. Les seules bananes qu'on a, si certains considèrent que c'est la France, c'est les dom-toms. Moi, j'appelle ça des colonies. Hein. Voilà. Bref, sur ce... Moi, je vais tester quand même de goûter, parce que j'ai une partie qui a bien cuit. C'est juste le fond qui est pas totalement cuit, donc je reviens dessus. Mais je vais quand même goûter ce qui a cuit ici, pour voir. Ok. Effectivement, ça mérite un peu plus de cuisson. Ça, c'est de la pâte, hein. Mais c'est très bon. Attends, mais j'ai jamais goûté de pain comme ça. Vraiment. Le fait qu'il y ait un petit peu de sucre dedans. Parfait. Le fait qu'il y ait un petit peu de sucre dedans permet d'adoucir le côté salé. Donc j'aurais pu mettre du beurre salé, je pense, dedans. Mais... On a une croûte qui est un peu dure, mais pas trop. Qui est pas vraiment comme une baguette, mais pas loin. Et on a un intérieur qui est... À la fois, ça ressemble à de la brioche, mais c'est pas de la brioche. Ça pourrait être un peu aéré comme du pain de mie. Même si je pense que j'aurais dû l'aérer, évidemment, comme disait la recette, pendant une heure ou quoi. Mais... C'est très très intéressant comme texture. Honnêtement, ça vaut une tradition. Voilà, c'est au-dessus de la baguette, parce que bon, la baguette, ça reste ce que c'est, hein. C'est au-dessus de la baguette et de la plupart des pains. Moi, je suis un très très grand fan de la baguette tradition. Que je peux m'enfiler nature comme ça. Je trouve que, voilà.
On a juste un côté, voilà, un peu plus sucré, un peu plus doux dans cette recette, qui est très agréable en bouche, et qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Donc, et c'est même quand même suffisamment aéré, même si je ne l'ai pas laissé lever pendant très longtemps, pour que on en profite. Ça peut se manger très probablement avec n'importe quoi de sucré ou de salé. On est bon. Je pense que je vais juste me faire des tartines de ça pour ce soir, et puis voilà. Alors, je lis juste ton message avant de terminer. Je cherche pas spécialement à avoir du bio ou du pas bio. C'est qu'à Eau Vive, il y a plus de choix VG. Le casino, c'est dur. Le Carrefour, il y a plus de trucs VG, mais c'est loin. Intermarché, il n'y a pas beaucoup de choix. Je vais pas à Eau Vive à cause du prix. Et c'est loin quand tu dépends des trams et des bus. C'est une misère de trouver végétarien, même à la gare où il y a parfois... Alors franchement, si tu arrives à trouver des sandwichs VG, bravo. Hein, parce que même moi, ici, à Paris, j'en trouve pas. En général, quand c'est l'heure du repas, et que j'ai pas fait à manger, ce qui va être le cas demain, je me contente de prendre du fromage et une baguette. Et je me défonce la baguette avec le fromage. Mais ouais, je compatis. Je compatis fortement. Sur ce, bah écoute, recette à refaire. Ici, du coup je la mettrai sur le blog, mais recette à refaire, que j'aime beaucoup, qui est plutôt cool. Poivron rouge, chèvre, il n'y avait pas dans les autres gardes. Oui, vous mangez du thon. Oui, non mais, ça c'est un classique. Je l'avais dans, fun fact, je termine là-dessus, et après on raid, du coup, bah il y a Furax qui est en stream, donc, avec Fourmi, Becca, et je reconnais pas les autres, je suis désolé. Tiro Toto, voilà. Moi, c'est un truc qu'on me disait. Il y a un boulot où j'étais et où je mangeais VG. Et alors, déjà, t'avais de la chance quand t'avais du VG. Parce que moi, j'arrivais souvent après tout le monde. Et donc, en fait, toutes les options végétariennes étaient finies. Et souvent, voilà, c'était la question qu'on me posait. Alors, je disais, mais je mange pas, je mange végétarien. Mais vous mangez du thon? Et je vais redire à chaque fois, je mange végétarien. Végétarien, c'est pas de viande et pas de poisson. Donc en fait, me demande pas si je mange du thon. Enfin, ou si je mange du poisson. Je ne mange pas de poisson. Je mange végétarien. J'ai un régime végétarien. Et ça me faisait chier parce que ils étaient semi-inclusifs en mode « Oui, non, mais il y a quand même des options végé et tout. » Bah, faites-en plus, parce qu'apparemment, quand on arrive à la fin, il n'y en a plus. Voilà. Je leur réponds « Je ne mange pas d'animaux. » Ouais. Ouais, moi, je partirai pas là-dedans parce que j'aurais trop peur du débat à la con. Mais je comprends. T'as bien raison. Sur ce, écoute, je propose qu'on aille, on fasse un petit raid, du coup, sur la chaîne des meilleurs, hein, là où j'étais il y a une semaine, sur la chaîne de Furax, avec du coup, sur laquelle du coup il y a une table ronde actuellement, qui parle de féminisme notamment, de VSS et tout. Avec Becca, Fourmi. Eulalia et Julie. Ah oui, il y a deux meufs d'Alice Imagine, du coup, Eulalia et Julie. voilà, ça parle de clichés et d'idées reçues sur les meufs, le féminisme et les trucs comme ça. Donc on envoie le raid. Sur ce, moi je te souhaite une excellente soirée. Alexa, stop! Et je te dis, écoute, à bientôt. Peut-être je ferai un stream dans la semaine, sinon ce sera la semaine prochaine. Des bisous, ciao! Pour